Bonsoir. J'ai décidé de ne pas bouger. C'est l'alerte parce que j'ai pas de téléphone, les gars. Alors, ça donne quoi? Ce soir, ça fout la max. Let's fucking go! Oh, je suis trop chaud. Non, c'est pas vrai, je suis pas chaud du tout. Je suis mort, les gars. Je suis désolé, je suis mort. Voilà, je vous le dis. J'ai couru. Déjà la journée. Oh, la journée terrible. Les gars, ma journée terrible, terrible. Les gars, j'avais tellement de cours que les cours, ça rentrait pas sur la journée. Je déconne pas, j'ai pas pu assister à des cours parce que ça rentrait en collision avec d'autres cours. J'avais 10 heures de cours alors qu'il y a 8 heures de cours par jour. On fait comment, les gars? Voilà, donc pour vous donner une idée un petit peu du bordel que c'était aujourd'hui. Puis je suis rentré, j'ai fait les courses une première fois, puis il manquait des trucs, donc j'ai fait les courses une deuxième fois. Et aller faire les courses, bah c'est loin. J'en peux plus. Cours conflictuel. Ah ouais, non, mais très très conflictuel. Let's go, Axus! Les 5 visionnages de suite! Et je vais vous mettre des flammes, je vais vous mettre des streaks là sur le stream. Quand vous allez mettre les flammes, il y aura des flammes partout, ça va surgir, il y aura un tic qui va faire. Comme ça. T'as dit quelque chose, mon cœur? Ah non, c'était la musique. Tout pareil, let's go. Let's go, let's go, il y aura des giga flammes partout. Putain, c'était dans la musique. Tu crois pas, j'ai entendu un oh! J'ai cru que c'était vous. Mais non, c'est pas vous. On a plus les bonus après 5. Quoi? Ça reset la série? Attends, mais ça reset juste ou pas? D'ailleurs, les gars, j'en profite. Dites coucou à YouTube. En théorie, vous êtes le premier stream ce soir qui va être sur la chaîne de VOD. Enfin, vous n'êtes pas le premier techniquement. Vous n'êtes pas le premier techniquement, mais ça fait un moment que ça marche plus. Et ça fait 3 semaines que je me casse le cul pour faire marcher ce truc. D'autant que ça sert à rien. Donc aujourd'hui ça sert à rien parce que maintenant que YouTube a autorisé le multi-stream, techniquement j'ai même plus à me casser le cul, c'est un truc de fou. Je suis dégoûté. Moi qui avais mis tellement de. Après, en vrai, je sais pas. Je sais pas parce que. Je me demande les gars, vous en pensez quoi vous? Est-ce qu'il vaut mieux que j'ai une chaîne de vidéos rapide, une chaîne de vidéos plutôt courte, voilà, dans lequel il y a des clips, il y aurait des vidéos best-of, hein, il y aurait des trucs comme ça, et vraiment une chaîne à part de VOD où vous tout en même temps ça dérange pas? Moi j'ai peur que l'audience qui est à la recherche des clips n'est pas la même audience qui est à la recherche des vidéos. Enfin, des VOD, tout ça. Tout dépend du temps de faire de montage. Non, mais je trouve un larbin pour le faire, Pimousse. Je demande dans l'éventualité. Dans l'éventualité où il y aurait deux chaînes.
Enfin, de l'éventualité où ça existerait. Dans l'éventualité où il y a une chaîne de VOD et une. Enfin, où il y a des vidéos, c'est des VOD, et des vidéos où c'est des clips ou des trucs comme ça. Est-ce que vous préférez avoir tout sur une même chaîne ou sur deux chaînes différentes? Chaîne de best-of et une de VOD, ouais, en vrai, mais tout sur la même chaîne, fait des playlists. Si. Après, en fait, je sais pas comment ça marche niveau référencement. Parce que typiquement, je pense qu'au niveau du référencement, c'est peut-être plus intelligent de faire deux chaînes de VOD. Parce qu'en soi, la chaîne de VOD, c'est pas grave si elle perce pas. On s'en fout un peu. Enfin, je veux dire, les VOD, c'est les rediffs pour vous, hein. C'est avant tout une chaîne de service pour les gens qui regardent les vidéos au quotidien et qui ont raté un stream et qui ont envie de le re-regarder. Ça m'étonnerait de faire beaucoup de vues sur des vidéos qui durent 2 heures. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens qui, sur YouTube, soient en mode putain, let's go, j'ai trop envie de me taper une vidéo de 4 heures dans laquelle je vois un mec jouer sur un stream qui est passé, tu vois. Moi, je pense que c'est. Enfin, les vidéos VOD, c'est plus des trucs pour vous, quoi. Si vous voulez. Si à un moment vous ratez un stream. Donc, c'est pour ça que je me dis. C'est peut-être. Au niveau du référencement, c'est peut-être pas une bonne idée de faire les deux chaînes communes. C'est un peu mon. Ma peur par rapport à ça. Hello, Chewie, comment tu vas? C'est quoi ton avis chez Wii? Chez Wii, il vient d'arriver, on le braque. On arrive là, on le menace. Donne la question. À ton avis, c'est quoi le mieux dans l'idée où je ferai des vidéos VOD, donc des rediffs de stream et des vidéos plutôt clips? La question, c'est est-ce qu'on fait une chaîne ou deux chaînes? Genre une chaîne pour un contenu séparé ou deux chaînes pour. Non, une chaîne pour un contenu. Bah, du coup, pas séparé le contenu. Ou deux chaînes pour un contenu séparé au contraire. Ah, je suis fatigué aujourd'hui. Les gars, j'ai fait des maths toute la journée, j'en peux plus, j'ai le cerveau en compote. Vous voyez le même avec le singe là, qui tape des. C'est mon cerveau actuellement. Une chaîne, puis tu crées des playlists. Faudrait que je fasse le sondage. En fait, faudrait que je regarde. Faudrait que je m'intéresse plus à comment marche l'algo de YouTube et qu'est-ce qu'il met en avant. Le même des Simpsons, ouais, exactement. Celui-là, Xuz. Parce que, en vrai, je comprends ce que vous dites, mais moi j'ai un peu peur que ça soit de un le bordel, même si je mets des playlists. Parce que je comptais déjà mettre des playlists pour les VOD, en mode les ranger par jeu, surtout si on fait des let's play dessus, vous voyez. Et de deux, ce dont j'ai encore plus peur, c'est que ça nique le référencement si t'es mis en avant par rapport aux autres vidéos que t'as fait avant, tu vois ce que je veux dire? Donc il faut que je me renseigne peut-être sur cet aspect. Je me renseigne sur comment ça marche. Ouais, je pense que c'est un bon point d'entrée, se renseigner. Après, je comprends pas trop les gens qui arrivent à suivre leurs streamers sur Twitter, YouTube, Insta, TikTok. Bah après, ça dépend. En fait, disons que. C'est peut-être pas le but aussi chez Wii. Tu vois? Moi, je pense que c'est. Le but, c'est. En fait, c'est ce que j'expliquais. C'est. À mon sens. Si j'ai deux chaînes. La chaîne de VOD, c'est pour vous. C'est-à-dire que, imagine, je sais pas, y a un jeu qui t'intéressait, que tu voulais voir, t'as pas pu le voir en stream ici, bah tu peux toujours aller le voir sur la chaîne de VOD. Donc le but de la chaîne de VOD, c'est pas qu'elle tape une audience, tu vois, et qu'elle fasse un règle de fou. Par contre, sur YouTube. Sur YouTube. Je pense que tu peux toucher de nouveaux gens. Tu vois, c'est comme quand tu vas sur TikTok. TikTok, en fait, enfin, je pense que par rapport au sondage que j'ai fait, tu vois, il y a la moitié des gens seulement qui sont sur TikTok. Mais par contre, tu peux t'ouvrir à un nouveau public. Il y a beaucoup de gens qui percent avec TikTok. Donc, en fait, peut-être que, tu vois, tout ce qui est clip et tout, finalement, c'est pas tant, comment dire. C'est pas tant pour la même audience, finalement. C'est plus pour le côté tu attires des gens. Après, je vois ce que tu veux dire, hein, que ça fait beaucoup trop de réseaux, je comprends ton point, et c'est pour ça aussi qu'il y a une autre question
Parce qu'en fait, là, faut savoir. Bon, en plus, moi, j'ai l'habitude d'être têtu. Vous voyez, quand j'ai une idée en tête, j'ai du mal à m'en débarrasser. Et donc, j'avais cette idée de faire une chaîne de VOD qui était là. Et voilà, on restait comme ça. Et en fait, maintenant qu'il y a le multi-stream qui est sur YouTube, enfin, qui est arrivé sur Twitch, et donc, du coup, qui permet de stream aussi sur YouTube, je me dis, bah, ça peut être intéressant de stream à la fois sur Twitch et sur YouTube, histoire de pouvoir comparer celui qui marche le mieux, quoi. Parce qu'effectivement, s'il y a des gens qui consomment des vidéos sur YouTube et qui sont prêts à voir sur la même plateforme, tu vois, la même plateforme que laquelle tu peux trouver les clips, tu peux aussi trouver les streams. T'as une plateforme à gérer. Après, la question, c'est est-ce que les gens vont suivre, quoi? Est-ce que les gens vont suivre? Est-ce que les gens vont être intéressés par voir du contenu, des live Twitch sur, enfin, des lives sur YouTube? T'as pas les raids? Donc tu t'isoles un peu plus de la communauté? Enfin, tu me diras si tu les as encore, mais c'est juste que tout le monde les voit pas, quoi. C'est compliqué, ça pose beaucoup de questions. Mais je vois ce que tu veux dire, Chewie, par rapport au fait qu'il y a trop de réseaux sur lesquels suivre. Moi, c'est ce... Enfin... En fait, c'est un peu compliqué. D'un côté, c'est ce que je cherche à... C'est pas ce que je cherche à éviter, mais... Mais je pense que c'est important quand même de... Disons que plus tu ouvres tes réseaux aussi, plus t'as de chances de toucher une audience large, tu vois. Mais encore une fois, la raison, c'est pas pour ta communauté. Je pense qu'il y a des gens qui utilisent deux réseaux grand max à tout péter et puis... Et puis c'est tout quoi. Enfin, je le vois déjà, hein. Quand vous regardez ce qui se passe sur Twitter, y a pas grand monde qui me suit sur Twitter, hein, en termes de viewers. Perso, j'aime bien avoir une chaîne à suivre et je trouve tout dessus. Après, c'est que moi. Faut que j'y réfléchisse. En fait, le vrai facteur, ça va être vraiment la mise en avant, quoi. Si vraiment, tu vois les contenus, enfin les streams, finalement les streams et les clips sont très décorrélés au niveau des vues, enfin il n'y a pas de souci. Maintenant, j'ai aussi peur que ça soit le bordel niveau playlist et tout, hein. Parce que bon, quand même, on stream 6 jours sur 7. 6 jours sur 7, ça fait beaucoup de jours. Je vous laisse faire le calcul. J'ai plus. Les gars, mon cerveau a fondu aujourd'hui. Je fais pas le calcul. Vous comptez combien de streams ça fait? Sachant que je compte pas arrêter de sitôt. Donc vous faites ça sur 3 ans, vous avez déjà 600 vidéos. 600 vidéos à laquelle tu mélanges des clips à chaque fois. Je sais pas si on compte 3 clips. Allez, au minima 3 clips par semaine. Même si c'est des petits clips, hein, ça fait des vidéos en plus sur la chaîne. Attendez, je suis en train de faire les stats pareil sur 3 ans. Oh là là, ça en fait beaucoup. Après, je sais pas. C'est. Bon, en tout cas, c'est intéressant. Je prends vos points de vue en compte. Je regarde d'un autre côté ce qu'il y a et puis on en reparle, hein. De toute façon, là déjà, il faut que je digère la pilule. Ok? Ensuite, de toute façon, je pense que mon PC aujourd'hui est pas assez performant pour faire du multi-stream, donc on va rester sur Twitch pour le moment. Mais les gars, franchement, je suis dégoûté. Là, le... Parce que justement, en fait, il y a un truc qui me fait remettre la question, c'est que initialement, chez Wii, c'est que j'avais prévu de faire comme ça. J'ai prévu de mettre en place une chaîne VOD. Je me suis fait chier à développer un bot pour faire ça. Aujourd'hui, le bot commence enfin à marcher. Que t'as Twitch qui fait, vas-y, on fait le multi-stream. Et du coup, faire le multi-stream sur une chaîne VOD, c'est, ah, je sais pas. Parce qu'en fait, finalement, le live Twitch, je le ferai sur ma chaîne principale. Mais si je le fais sur ma chaîne principale, les replays, ils se mettront sur la chaîne principale, ils se mettront pas sur la chaîne secondaire. Vous voyez le délire? C'est trop chiant.
Bref, j'ai pas digéré, j'ai réfléchi encore. De toute façon, enfin, je vous l'ai dit, là, j'ai pas envie d'y réfléchir. C'est ça, mon compote. Hello, Huskit, comment tu vas? T'as raison, puis si les gens font trois chaînes YouTube, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est vrai que ça doit jouer, hein, finalement. Là, faut que je regarde, là. On m'a conseillé une petite formation. Il faudrait que je la regarde. T'as bien toi, je suis crevé, je suis mort, je suis fatigué, je suis éreinté, les os brisés, la gorge nouée, je suis... Oh! Vide. Je suis vide. J'en peux plus. J'en peux plus! Ah ouais. Oh, c'est dur. Non, je vous jure. Je vais me faire un café après pour me réveiller. Des fatigué de base, mais je sais pas, j'ai une bouffée d'énergie. C'est peut-être le grind Overwatch, LoL et Valo qui m'appelle. Huskit, tu sais comment ça va finir hein, si tu commences comme ça. Tu vas aller sur Valo, tu vas faire franchement, ah, c'est un jeu de merde, je déteste ça. Vas-y, ça me casse des couilles. Je comprends pourquoi t'es aigri tout le temps, tu me casses des couilles aussi. Salut, non, c'est pas une bonne idée pour toi, Valo. Ça te met dans des états bizarres. Non, c'est un jeu de Golemans, c'est différent. Y a rien de différent. Y a rien de différent, c'était pas. L'imitation. Les gars, sur combien vous jugez mon imitation du skid là? Honnêtement, sur 10, moi je mettrais un bon 8. C'est sur 20, bah ça fait 8 sur 10, ça c'est parfait. On est pas mal. On est pas mal. Ah, les gars, même faire x2, c'est dur. x2, j'en peux plus. Et t'en es où, toi, du farm, Joseph? Ça se passe comment pour toi, le grind? C'est quoi ces musiques? On s'endort. Ouais. Ouais, tranquille, c'est que ça se passe bien alors. Ce soir d'ailleurs, vous l'avez vu, on va faire du Apex. Vous allez me carrer un peu parce que voilà, j'ai un peu la flemme. Du coup, c'est Pex-Pex? Ouais, c'est Pex-Pex. Genre en fait moi ce que je vais faire c'est je vais dormir, ok, et je compte sur vous. En fait vous me tenez, ok, vous me tenez par les jambes et les pieds et en fait vous voilà bah juste vous jouez quoi. Moi je vous regarde. Je suis chauffé toute la journée au lieu d'aller encore. Mais ne faites pas ça! Les gars, il n'y a pas de cash prize hein! Et les gars, y a rien à gagner! Hello Clacha, comment tu vas? Vas-y, j'arrive à. Eh, j'ai pas lancé encore. Non, mais tranquille, je me suis permis parce que j'avais le Covid. Ah! Bon, c'est vrai. C'est non, c'est une raison valable. J'avoue que c'est une raison valable. Après tout, tu fais d'une pierre deux coups. Oh, oh non! Pourquoi je meurs comme ça?
Pourquoi je suis fatigué? J'ai eu des péripéties, il y a au moins une heure, mais mon casque a rendu l'âme. Oh non! D'ailleurs, As le board ici, non, vous êtes franchement des connards. Je vous le dis honnêtement, hein, on est entre nous. On est entre nous, le répétez pas aux autres spectateurs qui sont sur le stream, vous êtes vraiment des enculés. Le board ici, tout ce que vous avez gagné, c'est que je vais arrêter le board. Alors, on dit pas un succube, Huskit. En fait, on dit un incube, voilà. C'est le mâle de la succube, voilà, c'est un incube. Voilà. Je te l'apprends. Voilà, tu dormiras moins con ce soir, Huskit. Je savais pas si tu m'as appris un truc. Ah bah oui. Non, tu es un incube, pas un incubateur. Un incubateur, c'est différent. Très bien, vas-y, nous avons tout de prix. Du coup, j'ai dû prendre mon ancien casque, j'ai cru que ça allait nous empêcher de faire la réunion. Bon, après, la réunion, ça fait longtemps qu'on n'en voit pas le bout, le signe. Oh! Pourquoi c'est si dur? Pourquoi c'est si dur de pas s'endormir, les gars? Ah! Oh. J'ai l'impression que c'est révolutionnaire. Franchement, Cacha, t'as le temps de le commander à Noël le casque, ça devrait aller. Un bande, faut qu'on la fasse cette semaine, pas sinon. Ah! Du coup, je dois attendre 20 jours? Ah bah oui! Non? Quoi, 20 jours? Pour ça, c'est le moment de venir se réveiller avec. Non, j'ai pas encore mangé. J'attends de manger d'abord. Denugi qui est en train de finir de préparer le repas. Après ça, on ira, ouais. 20 jours pour me prendre un début décembre. Ok. Ça marche. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a le poulet? Elle a commencé à combien? Il y en a combien là? En tout? Donc 3 par personne. Bah donc 3. Bah ouais. Ok. C'est pas pro ça. Mais comme j'ai dit, j'ai fait les cours ce soir. Donc on a fait à manger un peu tard. Voilà, j'ai commencé mon stream. Après, j'ai fait tout de la vaisselle pour ma défense. C'est vrai en plus. Après, j'ai un ancien casque qui marche selon les dires du skit. Bon, bah si c'est les dires du skit, faut pacifier alors. C'est comme ça que ça marche, non? Il y a un jour. Non, mais en vrai, on verra. Mais. Steve, ça va être compliqué en vrai. Not, hein? D'ailleurs, je pensais à BioShock. Les gars, BioShock. Ça vous tendrait ou pas? J'aime BioShock à jamais dans mon cœur. C'est vrai, BioShock, j'ai vu. Je voyais mon papa y jouer. Quel BioShock? J'en sais rien par contre. Je connais pas la. En fait, je connais pas la licence. Je la connais de très loin. J'ai juste vu mon papa y jouer il y a très longtemps de ça. Et j'étais en mode, waouh, ça a l'air perché, les graphismes, ça a l'air déjanté, il se passe des trucs bizarres.
Moi, je pense que j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire aussi Evil Rain. Evil Rain, pardon, pas Evil Rain. Evil Rain. Evil Rain. Evil Rain. Heavy Rain, qui est un super jeu d'ailleurs. Vous connaissez, il y en a qui connaissent ou pas? En tout cas, si vous connaissez pas, ça sera un plaisir de vous le faire découvrir. Par contre, il faut accrocher son cerveau pour BioShock. Ouais, donc pas sur des soirées comme ça, quoi. Oui, mais il y a beaucoup de QTE, non. C'est pas impossible. C'est pas impossible parce que c'est plus un jeu un peu psychologique, on va dire. C'est quoi les joueurs d'Heavy Rain? C'est un jeu qui est très 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 sombre. Hein. C'est pas un jeu d'horreur? C'est plus un jeu d'aventure, mais. C'est plus en mode thriller, vous voyez. Ah ouais, effectivement, du coup, il y a pas mal de QTE. Mais je pense pas que ça dérange. En fait, vraiment, c'est un jeu. Ouais, non, non, c'est pas de l'horreur, mais un petit peu quand même. C'est pas. C'est... Vous découvrirez, c'est pas mal. Moi, je pense que ça peut être intéressant à faire Evil Rain. Stylé. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai vu, et ça c'est plutôt cool, ça y est maintenant, les votes du comment ça s'appelle? Les jeux du board sont dévotés à chaque fois qu'un stream est lancé sur le jeu en question. Et ça c'est plutôt cool, ça permet d'éviter justement que... Qu'un jeu se trouve trop longtemps tout en haut. Le but c'est que justement on le fasse pour faire réduire la note du jeu. Et si comme ça, si vous voulez revoir le stream dessus, sur un jeu en particulier qui vous a plu et que vous voulez revoir, bah, vous pouvez le refaire monter. Interdiction d'en abuser. Sinon je vous banne l'accès au board. En vrai, le jeu est pas dégueu. Non, non, vraiment, je suis d'accord. Ouais, le jeu est vraiment bien. Et pareil, encore une fois, c'est un jeu. J'étais trop petit pour y jouer. Donc, je l'ai vu un peu qu'au travers des yeux de mon père. Et j'ai très, très envie de le découvrir. Venez, on change d'ambiance un peu là. Voilà. Moi, j'aime bien. Merci pour l'hydrate. Huskits. Je vais me servir à boire. Oula! Vision d'horreur. Merci mon amour. Tu sais que t'es la meilleure. On a le sel. Oui. Il est là. Regarde ça. Hello Harry, bienvenue! Ça va, tu fais quoi de beau? Alors là, là, je vais manger. Je vais manger. Voilà. En stream. Et après ça, on va partir sur du Apex Legends ce soir. Ok. Alors tu dois animer mon stream. Tu me feras. Mon cœur. Aide-moi pas trop, Il hein. faut aussi que je fasse mon café. Tu peux me faire mon café ou, ou tu animes le stream? Ok. Ça te dit de regarder un petit animé en mangeant? Non?
Non. Ça ne me dit pas. D'autant que. Alors, je sais pas quel anime. Quoi? Comment ça, si? Je sais pourquoi. Que tu voulais me faire regarder, Harry? Un petit Free Run. Non, mais. J'espère que vous êtes des malades, vous voulez regarder Free Run en stream, vous? Alors que non. Déjà, j'ai pas envie de me faire ban de la plateforme. Mais au lieu de... Mais en plus de ça, effectivement, on le regarde avec, avec Nogi. Nogi qui est ma copine. Que dis-je, ma copine? Ma femme. Donc on le regarde déjà. Mais tu... frérot, tu me parles d'anime sous licence! On ne peut pas regarder des animes sous licence en stream. Pardon. Je suis désolé. Tu voulais me faire ban, Harry, c'est ça? Tu voulais voir ma chaîne tomber. C'était ton but. Mais du coup, quand même, je retiendrai. Que tu es un homme de culture. Frieren. The King Avatar. De toute façon, à mon avis, ça m'étonnerait qu'on regarde en stream. En tous les cas, mais The King Avatar. The King Avatar. L'avatar du roi. Qu'est-ce que c'est que cet anime? Sorti sur Netflix. Moyen début mais fun à regarder pour Chine. Non? Comment ça non? Pas sur Netflix? Je trouve plein de trucs sur Netflix. Pas le truc Netflix merdique. Ah. Sinon Jojo. Saison 6. Que vous avez sur Netflix, malheureusement. Malheureusement, Netflix a un peu tué la hype. Me parles... Attends, est-ce que tu me parles de ça là? Moi j'ai un truc. Ah oui, peut-être qu'il est pas sur Netflix, lui. Mais en fait, je pense qu'on parle de la même chose, mais c'est genre ça. Ça que tu veux voir? Je connaissais pas du tout celle-là. The King's Avatar. C'est quoi l'histoire? On très vite fait un. Hein. Rocher, oui! Hop! Bon, je suis en plein repas là. Avant que on parte sur du Apex. Oui, il a l'air. Comment ça, par contre, ça va piquer? Comment ça, mon cœur, par contre, ça va piquer? Mon cœur, qu'est-ce que ça fait? Oh non. Putain, elle a encore abusé du piment de Cayenne. Mais faut que j'arrête. Faut que je revire ce piment de Cayenne, putain. Mon cœur, le vider dans trois plats, c'est pas le rentabiliser. Que tu caches le piment, mais je vous jure, hein, je vais finir par faire ça. Hein, hein? Le cache, tu cuisines tout seul. Bon. Les gars, je crois que je suis dans un jeu à choix là, j'ai plusieurs options. Est-ce que. Ah! On cache le piment et on n'a plus de plat. Est-ce que. B.
On tolère de manger le piment et on finit avec des hémorroïdes. Ça va, c'est doux. Est-ce que 3, on devient une personnalité saine? Et c'est pas fort. Qui cuisine? Ou est-ce que 4, on commande McDo tous les soirs? McDo, tu vois, il est là, McDo. 4, oh là là. Ah ouais, tu préfères McDo à mes petits plats. Non, mais quand même, les potatoes de McDo... On est d'accord, les gars, que... Les gars, c'est une honte. Franchement, les Belges. Les Belges, je vais être honnête avec vous, vous êtes honteux. D'accord ? Comment ça, vos McDo, ils ont pas de potatoes ? Comment ça, vos McDo, ils... Vous pensez que vos frites valent mieux que les potatoes du McDo ? Là, vous faites tout un plat pour vos gaufres que toute la merde. Quoi ? Je te jure, pas de potatoes ! T'as ignoré mon message de cal... Pardon. Un mec très fort au jeu Glory qui est dans une team e-sport avec une copine, mais il se virait et doit donner son compte à un nouveau qui lui était pourtant un joueur légendaire du jeu. Après, il va dans un cybercafé pour commencer son aventure dans le nouveau serveur Glory. Ok. Donc en fait, genre, il... C'est un peu l'outsider, quoi. Sinon, après, les potatoes, c'est dégueulasse. 2 secondes, les gars. Joseph. Bon les gars, il y a une place vacante de modérateur du coup. Si quelqu'un souhaite la prendre, moi. Regardez les opportunistes qui sautent sur l'occasion. Non, c'est une blague, évidemment. Je ne recherche pas de modérateur actuellement. Gorinem Joseph Potatoes. On peut pas, malheureusement. Ah, on peut pas. Je suis très discipliné, humour. Est-ce que Joseph est de retour parmi nous? Deux heures plus d'une minute, non? Mais en vrai, ça va, il a l'air. Le synopsis a l'air assez cool en vrai. Je le regardais du coup, mais je le regarderai pas en stream, Harry, hein, encore une fois. Et. Du coup, tu veux le regarder maintenant? Non, non. Quoi? Sa force, ouais, pour regarder l'anime. Ah, mais malheureusement, Harry, j'ai déjà un programme de stream plutôt établi. Et ce soir, on est sur Apex. Demain, je suis en off. Vendredi, on est sur Crystals. Samedi, on est sur Valorant. Et dimanche, on est sur Overwatch. Je pense, en vrai, si jamais j'en venais à regarder des animes, je pense que je ne le verrais pas sur Twitch. Je pense que je le verrais plus sur le serveur Discord. Oh là là, oh lui, la panure qu'il a. Oh, la panure a été généreuse sur lui. Moi, j'ai où mon épée? Ton épée? Ça a déjà mis une occasion de promouvoir le serveur. Ah bah bien sûr. Et... On est animateur ou on l'est pas? Frérot, chef d'entreprise, hein? C'est véreux, les chefs d'entreprise.
Les gars, hop, vous le voyez pas discrètement, je vous case une petite pub. J'aurais dû faire du marketing en fait. Hein. Non, en vrai, non, c'est mort. Moi, j'ai l'impression que les gens qui sont marketing, c'est que des gens qui sont assez extravertis, tu vois. Qui sont prêts à aller au contact des gens. Moi, je peux pas. Moi, c'est pas mon truc. J'ai pas assez confiance en moi pour ce genre de truc, vous voyez. En fait, j'ai quelqu'un qui a besoin de d'être certain dans la vie. Voilà, j'ai besoin de Bassen. Quand on parle du serveur MDR, c'est les gens qui aiment négocier sur Vinted. Moi, je supporte pas, tu vois. Je pense que. Non, mais Husked, je mange là. Tu attendras 2 minutes avec ton bambou. Hein. Ça se mange le. Pas loin de la glissade. On a déjà glissé chez Wii. Hein. C'est malheureusement déjà arrivé. Mais je suis censé parler avec le bon bout. Je suis pas censé le manger. Tu parles avec le bon. La fameuse glissade involontaire. La fameuse excuse des mecs racistes qui l'assument pas, quoi. Hmm? Oh. Qu'on est pas mal. Bientôt fini le repas là pour les presser. Putain, mais attendez, mais. Qui ça? C'est qui? Après j'en mettais. On avait du piment oiseau à la maison. Genre on avait un. Vous savez les salières, ben, on en avait une à piment. Je sais pas comment ça s'appelle du coup, une pimentière. Et dans lequel on avait du piment oiseau, mais je sais pas. Je suis devenu plus sensible peut-être. Je suis devenu plus raffiné, voilà. Plus fragile. Mon palais discerne mieux les goûts. Moi j'ai du kimchi chez moi, c'est bon le kimchi. Oui, ça pique pas, oui, le kimchi. Enfin, pas trop quoi. Enfin, pas celui qu'on avait, il piquait pas du tout, ouais, c'est vrai. Celui qu'on a goûté à Toulouse. Ça pique pas, mais ça met la même couleur. Mmh. J'ai de la souris chez moi.
Oh, tu sais que je suis retourné ce midi, les gars. Je suis allé manger un sando. Maman. T'es retourné? J'y suis retourné. J'ai pris le tien. Non, t'as voulu lequel? Teriyaki ou curry? Bah, j'ai pris teriyaki du coup. Oui, mais la question c'est du coup, t'as préféré Ah, j'ai lequel? préféré lequel? J'ai préféré curry, je pense. Mais le teriyaki était très bon aussi, hein. Plusieurs mois, il n'a pas encore découvert la Sando, même ouais. chose. Les sando, vous savez, c'est les espèces de sandwich japonais. C'est des sandwichs japonais. On dirait presque. Je vous jure, on dirait. C'est bizarre parce que si je devais le comparer en France, c'est un peu l'équivalent de nos pains de mie jambon beurre. Sauf que eux, c'est tout un délire, quoi. C'est fou, hein? C'est un moment que t'es ici et c'est moi qui te fais découvrir des Ouais. choses. Non, en fait, du coup, genre vraiment les teriyaki, si vous voulez, c'est des gros pains de mie. Alors, mais des pains de mie qui sont giga épais. Super, Et en ouais. fait, à l'intérieur duquel, on a justement. Enfin, généralement, c'est du. C'est. Poulet. Poulet pané, en Poulet pané, fait. ouais. C'est un poulet pané avec pas mal de légumes et c'est un Jus truc. rouge. C'est tout petit. C'est assez petit. Ouais, il y avait guacamole aussi. Guacamole, chou rouge, t'as pas mal de crudités dedans. Et en fait, c'est un truc qui est tout petit. Mais alors, putain, qu'est-ce que c'est dense! Et vraiment, t'en prends un, tu finis calé, quoi. C'est. Bah, le pire, c'est que ça me cale plus que quand je mange une pizza. Oui, on s'est Genre, fait la réflexion, c'est ouais. super étonnant. Ah, vraiment? Alors que c'est moins gras, En c'est mieux, apparence, mais. en plus, le truc vraiment te tient dans la main, quoi. Tu vois? Ouais, faut avoir la bouche, hein, pour avoir le faire le coup. Hein. Ouais. J'y suis allé justement avec, tu sais, mon pote Tchèque. Je lui ai fait découvrir, il connaissait pas du tout. Ouais. Me disait que d'habitude, justement, quand il mangeait en Belgique, il avait toujours faim après son repas. Et que là, c'était pile poil ce qu'il lui fallait, quoi. Je vois comme quoi, alors que c'est pas gras, un fast-food gras ou quoi que ce Ouais. soit. Ah, c'était cool. Bon, les gars. Yanogi qui va vous animer le stream avant que. Histoire que je puisse aller me préparer tranquille pour Apex. Et prendre ce qu'il faut. Allume pas ta Switch, mon gars. Vous êtes chauds, les gens, pour Apex? Genre une douche? Bah non. Chez Win. Mais ta plus belle robe. Oh, je vais me faire tout beau, vous allez voir. Allez trop de maman, mais qu'il est beau ce renard. Et je laisse. J'allais dire Azekio. Mais Azekio, ça fait plus mec que Azekia. Je vous laisse avec Azekiette. Bienvenue, Bonjour, c'est Zikiette Azéfesse. ici. Azifes. Coucou Joseph, coucou Chiwingoum. Enfin, Chiwishoum. Enfin, tu m'as comprise. Coucou Pimousse. Salam à les couilles, femme de Ça Pimousse. m'a les couilles, tu dis? Ah non, salam à les couilles. Comment vous allez? Moi, je me suis bien rempli la panse. Le Au poulet, panko c'était là, maman. le petit poulet au panko. Nom, 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 nom.
Nardine bébec. Ils ont pleuré sur le poulet. Ah, mais c'était Doudé. Je sais pas si vous avez connu là, à l'époque où on disait souvent Doudé. C'est Doudé. Vraiment, c'est une époque. Je crois que j'étais au collège, hein. Donc ça remonte à quand même pas mal d'années, genre. Je crois ça fait 16 ans. 16 ans, 10 ans. Bizarre l'époque. Aïe, 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 aïe. Bon, après, tu dis bizarre l'époque, mais bon, moi, mon époque, quand j'étais en primaire, on disait coiffeur aussi, hein. Je te rappelle, hein. Et là, en 2023, on dit coiffeur. Donc. Aïe, aïe, aïe. Déjà, je ne suis pas dénée. Va te faire foutre. Et ça va, c'était les années 2013, 2012. Ça va. À mon époque, il y avait le Harlem. Ouais, bah moi aussi, je l'ai connu, le Harlem Shake. Tout le Harlem Shake. Tout, 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 tout. Il y en avait pas tant. Ah bah non, trop tard. Hein? Oui? Titi, quoi qu'on met, quoi qu'on met. Oh, vas-y, toi, vas-y. À mon époque, il y avait le Harlem Shake. D'ailleurs, Harlem Shake, c'est avec un H, il me semble. Avec un H. Oui. Mais du coup, alors, As, il a prévu quoi? Il a prévu du Apex avec qui du coup? Mais je parle à ton chat, va faire ton café! Hein? Ok. Moi je suis pas, je suis bien chaud. Tu veux pas jouer à Apex avec lui? Sinon, bah c'est compliqué étant donné que. Qui va le PL? C'est moi qui le PL. Non, en vrai, dans tous les cas, là, ça aurait pas été possible étant donné que j'ai pas mon PC. Quand je suis chez moi, si. Quand je suis chez moi, si. Mais quand je suis chez lui, bah forcément, j'ai pas d'ordinateur. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais le rig de son OC. Quand c'est moi qui parle, etc., il a plus du tout le même côté teubé, genre. Il fait moins teubé quand c'est moi qui parle avec son OC, je trouve. Non? Comment ça il fait moins de Hein? bébé? Comment ça il fait moins de bébé? C'est plus la gueule, ouais! Mais j'ai rien dit. Ah, oh, t'as rien dit, t'as rien dit! Bah c'est As en même temps. Bah tu vois, oui, il a du charisme. Ah, tu vois, il a du chat. Oh, il y a de la glace. Oh, il y a de la glace. Sais pas. Mais du coup, tu vas jouer avec les viewers? Ouais, Ah, bah du attends, coup, mets le c'est micro. une. Je sais pas comment on fait. Ouais, non, en vrai, j'aurais dit que je jouerais avec eux. Lui qui a? Neuf qui s'est. En plus, Joseph, il pue la merde. C'est Bah. bon, on remet le. Ok, c'est bon, je remets le micro. Allez, coucou! Ah, du coup, non, mais vas-y, trop Ouais, content, tu. trop content de jouer ce soir Ouais, avec les franchement. viewers. Ce sera bien, du coup, bien in-game Ouais, viewer. bien, bien comme Par il faut, contre, je c'est pense aussi, anti-J hein. apparemment, donc. Quoi? Hein? 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 Bizarre parce que tu sais qu'avec l'ambiance et le contexte actuel, anti-J, ça veut dire autre chose, donc Ah ouais? évite. Ça veut dire quoi? Ah! Si c'est pour celui-là ou... Non. Ah, j'étais parti pour. Non. Non, non, non. Trop glissant la pente. Trop, Non, trop, trop mais bizarre, glissant. mais je pense que tu l'avais. Mais faut éviter de tomber dans la pente, ouais, parce qu'elle est vraiment. Enfin, c'est plus une pente, c'est un Ouais, ravin, quoi. alors là, ouais, c'est le ravin. Je retire. Attends. Bah, par quoi tu prononces charisme? Parce que j'aime bien le dire comme ça, tout simplement. Pardon, est-ce que ce serait un chat Suzy Baka?
Oh non, t'as l'humour de d'Azek. Je retiens ça. Mais non, Joseph! Anti-feu. Oh, malheureusement. Non, anti-J, anti-Joseph. Comment il va le J? Comment il va les JD Singh? Non, mais je ne pensais pas Et comme comment ça, il va mais le S? que toi aussi tu me dis. Non, 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 mais Joseph, c'est de l'amour vache! Comment il va le C'est de l'amour P? rose vache! L'amour grosse vache? Oui. Chacun ses. Ouais. Oh putain, enfin, quoique, ça avait l'air plutôt bête. Il a brillé. Ça aurait conséquences. Attends, ça aurait des conséquences à vous. Mais non, mais Joseph! Au terme. Un mot à l'envers. Donc, ça. Attends. Donc. Ah, ok, bon. Ouais, ok. Ouais, la pente elle est trop glissante, je te laisse avec. Moi Zumba. j'ai mis ma merde, maintenant tu te démerdes. J'ai entendu, c'est de l'amour grosse vache. Perso... Oh, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit, c'est normal que tu aies entendu ça. C'est ce qu'elle a dit mot pour mot. Il n'y a plus de musique là. Ah si. Elle a dit, oh, mon cœur, c'est pas entertaining ça, il n'y a pas de musique. Mais si, ça va. C'est juste que la musique, encore une fois. En vrai, je t'avoue que là, je savais pas du tout quoi dire. Moi, je savais pas du tout quoi dire. J'ai cerveau, il est off. Bah ça va, t'as bien comblé. C'est n'importe quoi. Toi, ça m'adresse plus la parole. Oh, c'est bon. Petite blague. En plus, c'est même pas moi qui ai dit Mais que. comment il est Oui. susceptible? D'autant que c'est Nogi hein, qui a dit que t'étais nul à chier. Moi, j'ai rien Quoi? dit. Quoi? Comment tu Mais m'as? quoi? Moi, Tu j'ai m'as juste dit que je voulais pas fait! jouer avec Joseph. Toi, t'as dit, t'as vu comment il est nul à chier. Non, non, non! Moi, j'ai répété mot pour mot ce que t'as dit en off! Quoi? Quoi? Comment ça? Comment ça, sus reptile? Quoi? Non, t'as dit ça? Mais quoi? Il est folle, non mais. Bah, entre susceptible et susreptible, il y a pas que c'est vraiment c'est serré, hein. Ouais, j'avoue, ça casse pas trois pattes à un ogre. Tu connais pas l'expression? Pas trois pattes à un ogre. Bah si, ça vient du mythe d'Ulysse avec personne. Enfin, avec personne. Comment il s'appelait? Quand ils avaient passé pour... Pour justement, il se faisait appeler personne. Personne m'attaque. Oui, voilà. Bah, en fait, ça vient de l'expression. Si, 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 les cyclopes, ils avaient trois pattes. J'ai regardé Hercule, hein. Il n'y a pas trois Oui, mais pattes. attends, t'as regardé Hercule, t'as regardé le Disney. Oui, les sirènes, elles étaient comment? C'était des jeunes femmes belles avec des grosses poitrines? Eh ben, c'est pas comme ça, hein. Bah, la petite sirène, elle est comment? Mais tu sais que les sirènes dans l'Antiquité grecque, c'est des vautours. Enfin, c'est des gros oiseaux. C'est des gros oiseaux à tête de femme. C'est pas une blague. C'est bon, promis, promis, je te troll pas. Promis, je te troll pas. C'est vraiment ça. Ça casse pas trois pattes un renard. Oui, dis vrai pour une fois. Ezekiel qui flex sur ses connaissances générales. Moi et l'Odyssée, c'est toute une histoire. Je suis sûr que c'est pas ça, hein. Bonsoir Milou. T'es sûr que c'est ça? Vas-tu bien? Deux. Oh, pas que t'es un ogre. Non, je me fous de ta gueule. Ah. Elle vient de me demander, t'es sûr que c'est ça?
Et je vous jure, bientôt 2 ans qu'on est ensemble. J'arrive encore à la troll. Mais je suis trop... Ok. On me meurt trop facilement. De quoi? Hein? T'as dit quoi? Je dirais avec persuasion. Persuasion, c'est ça? Que le soleil est bleu. Je te jure, je finirais par y croire parce qu'en fait, tu me mettrais le doute. Alors, je sais qu'il est pas bleu, tu vois. Alors, actuellement, avec le même de nerd, j'ai pas les lunettes pour le faire. Notre soleil émet une lumière blanche. Je crois. Elle est naïve ou trop amoureuse? Je pense que c'est les deux. Je suis pas naïve. En fait, j'ai tellement pas confiance en mes connaissances que si tu insistes, je finis par me dire j'ai peut-être tort. Tu vois? Me dire pour le coup, t'as des soleils bleus. Oui. Hum? Non. De quoi? Maintenant, j'ai heureux. Ah, ouais, le feu bleu, ça existe. Donc oui, c'est vrai. Oui, mais alors, je crois que c'est pas la même raison. C'est-à-dire que le feu bleu... Ouais, ah, peut-être qu'attends. En fait, ouais, t'as des différences au niveau de la combustion, effectivement. T'as des flammes qui sont pas à la même température. Le bleu, ça peut aussi venir d'un produit chimique, d'un colorant. Genre, une réaction chimique qui fait ça. Et je sais pas si l'explication pour les planètes, justement, qui sont... Enfin, les soleils bleus... C'est justement qu'ils sont super massifs et qu'ils ont une chaleur plus élevée que notre soleil. Je sais pas si c'est ça ou si c'est en fonction de ce qui brûle. Genre des gaz, des atomes qui la composent en fait. Je sais pas quelle est la raison. Il y en a qui sont calés en astronomie. Ah, moi je vois deux grosses bonnes planètes gazeuses ici. Elle parlait de mon cul. Je reviens plus tard, bisous. A tout de chez oui. Ok tout le monde. 21h18. Elle m'a coupé, mais oui, c'est ça. Alors on a qui ce soir pour du Apex? C'est Joseph. Non, Joseph, il est parti manger. Mmh. Hmm? Une table blanche. Qu'est-ce que j'ai? Oh. Non. Ouais. Moi, si tu veux, je suis en train de me jouer Twitter. Je pense plus mousse. Que je... je l'ai compris. T'en fais pas. Tu vas pouvoir jouer ce soir. Je vais changer la catégorie. Peut-être ça va venir des gens. Voilà. J'ai mis Valorant, mais quel con. Le réflexe de merde. Pardon à tous les gens qui se sont fait spam alors que c'était pas le bon jeu. En fait, c'est une strat pour contacter plus de gens. Comme ça, les gens qui arrivent en pensant voir du Valorant, ils voient du Apex à la place, ils font bon. On est dans les mêmes jeux à peu près. Oh, c'est beau. Regarde-moi ça. Regarde comme c'est beau. Oh. Apex Legends. Par contre, je suis guest de fou au jeu, c'est une singerie comment je suis naze. Faut pas dire ça, ça va bien se passer. À mon avis, on va parler avec le chat en jeu. Je pense.
Alors, merde. On peut utiliser les deux. En fait, c'est à vous de voir si vous voulez utiliser ou non le... Sinon, si on utilise le Voc in-game, ça sera surtout pour l'école, de manière générale. Si il y a des calls, c'est même pas sûr, hein. Tout dépendra. Par contre, c'est quoi le nouveau perso là qui est sorti? Rassurez-moi, il n'y a qu'un perso que j'ai raté. Oh non. Ça va être terrible, je vais devoir tout rattraper. Oh là. Ok, Apex arrive les gars. Apex arrive, il prend son temps. Peut-être je risque d'avoir une petite compilation des shaders avant. Alors par contre, est-ce que le jeu est toujours opti avec le cul? Il y en a qui jouent pour me le dire ou pas? Est-ce que le jeu pue toujours du cul avec les optis? Est-ce que c'est toujours same shit comme on dit? Le jeu est toujours un peu mauvais en opti, fuck. On est mal les gars, on est mal. Danger. Ah oui mais attendez. Attendez, bah j'ai une grosse boîte de Switch à l'endroit où normalement mon PC. Il faut que je... Ok. Allez. On y go. Désolé les gars, j'étais un peu naze pour animer le début du stream. J'espère que vous me pardonnerez avec mon niveau en jeu légendaire sur Apex. C'est faux. J'ai pas touché au jeu depuis longtemps. Alors... Vous me direz, on va rester comme ça, tant pis. On va rester en 720p, ça fera pas de mal ce soir. À l'avenir, faudra repasser en 1080 quand même. Après, je m'étonne de bugger, mais en soi... Je fais tourner mon stream en 1080p 60fps en temps normal. Sur un écran 2K. À un moment, faut pas que je m'étonne quoi. Ok. Alors. Au niveau du gameplay, on va passer sur Apex. Et malheureusement, la musique, on va devoir l'arrêter parce que le jeu est tellement bon. Problème mon cœur? Tu sais que j'ai cru que c'était à cause de la musique, hein. J'ai dit on arrête la musique et en même temps, mais wesh! C'est, je remets la musique si tu veux, hein, y a pas de soucis mon cœur. Alors. Non, j'ai vu mes stats. Oh, c'est terrible. J'arrête de stream là, tout le monde. J'ai vu mes stats, c'est fini. C'est fini. Voilà, j'ai vu les stats. Je suis obligé, les gars. On n'a pas le choix. Faut que j'arrête de stream. Oh là là. Et puis double belote là. Je vois mes. Ah, j'ai vu mes stats générales aussi. Désolé. C'est la fin du stream. Stats en jeu? Non. Mes stats sur Twitch. En fait, je cache mes stats sur Twitch de manière générale. Et là, je viens de le voir sur le deuxième PC.
Ah, je suis trop fan de cette musique. Pebelec des stands. Mais c'est ce que je fais, c'est pour ça que je les cache. Ok les gars, est-ce que vous êtes chaud? Puis d'autant que... Les gars, en vrai, Fébélec des stats. Hier, les gars, on était à 3000 viewers, hein. Les gars, hier, vous étiez chaud. Ok. Alors, j'ai une bonne nouvelle. C'est que je suis en jeu. Alors, comment que ça marche ce petit jeu? Ouais, ça a l'air d'être un petit jeu indépendant là, fait par des... ok. Ok. Sniper Azura pour c'est un peu ça. Bon alors, qui c'est qui veut venir jouer? Plimousse, Axus, tu m'as dit dans 10 minutes, c'est ça? Ça fait 10 minutes que tu m'as dit que c'était dans 10 minutes. Jules Winfield, ref au meilleur film du monde, je l'ai pas. Oui, alors... Visiblement, tu n'as pas été le seul inspiré, Plimousse. essaie plutôt d'ajouter Az. Ouais, moi non plus, c'est pas très inspirant, tu les en trouvais plein. X. Ah ça va, j'ai eu peur. Ah bah j'ai la mage. Pierre s'ajoute. Bah essaie de me trouver mais... C'est Az avec un apostrophe. Mais tu risques d'en avoir pas mal aussi. Alors c'est qui? Attends quoi? Ok. Oh, c'est quoi ce perso? Attendez, comment on fait de bio? Rowena Valentina Coffey Divina. Si je planète un Nexus reconstruit après un coup d'état dévastateur. Elle a un nom très compliqué. Que la carcasse d'un titan monarque tombé au combat est devenue un symbole de l'esprit de sacrifice des légendes, allant même jusqu'à inspirer un bon nombre des histoires héroïques que Rowena avait pris l'habitude. Elle a une batterie de titan monarque? Ah wesh! Je peux pas t'ajouter. Bah tant pis, c'est quoi, on va spammer tous les jus là? Allez, allons-y. Pierre joue de mon compte Steam. En vrai, ça peut être plus rapide, oui. C'est quoi ton compte Steam? Vous voyez ça ou pas? J'ai pas l'impression. Axus, t'as la mage, t'en as pour combien de temps? De mage? Ouais, c'est... Oh là. Ça, je sais comment ça va finir, ça. Ouais, alors attendez, parce que les strikes et tout, voilà, moi, je suis pas un... Voilà, j'ai pas envie de me retrouver en procès. Je suis Louis. Oh, putain. Et du coup, c'est quoi la ref? J'ai peut-être raté, je sais pas si tu l'as mis. Non, tu l'as pas mis, la ref. J'ai pas la ref, du coup. Tu m'as dit une photo de profil Bob l'éponge. Est-ce que c'est le même...
De l'homme préhistorique. Ah, mais si, d'accord. Je pense que c'est toi avec la pépé Bob l'éponge. En mode homme préhistorique. Tu vois, et sans même. Tu m'as juste dit Bob l'éponge, je n'ai même pas eu besoin d'aller voir ta photo de profil, je savais que tu avais mis ça. Jules Winfield, c'est dans Pulp Fiction, ça, du coup. J'ai peur de dire de la merde maintenant, attends. J'ai dit une connerie ou pas? Oui, c'est pas du tout ce film que j'imaginais. Si, c'est lui. Quand j'ai vu la jaquette, je me suis dit, ok, c'est pas ça, mais si, si. Si, si, c'est ça. J'ai un minimum de culture, ça va. Je te fais un taf juste pour... Alors, attention. Je suis pas sûr que ma copine... que ma femme, que ma Nogi soit très très consentante. Hein? Parce que on les connaît, les boulots. Non, non, y a pas de boulot ici. Ici, y a pas de boulot. Mais tu sais quoi, on va lancer en duo le temps qu'on ait un troisième qui soit là. Et on va voir comment ça se comporte in-game. Visiblement. Tac. Ok. Bon, y a tout le monde qui est en train de manger là. On ne peut que leur souhaiter un bon appétit. Nous aussi, on va se régaler. Sur le sang de nos adversaires. Aïe. Tu m'entends pas? Non. A priori, non. Attends, il faut que je regarde, j'ai peut-être désactivé le chat audio, c'est pas possible. Attends. Ah, Bloodhound. Mon main. C'était mon main un moment. Bloodhound, avant que je passe sur Vantage. Et Vantage, oh là là, son sniper, les gars. À sniper le retour peut-être. Je vous présente votre champion. Allons-y. Echo est leader de saut. Enfin, c'est moi, mais ça lui fait plaisir. Ok. Alors, comment que ça se passe? Comment que ça marche une game d'Apex? Ping. Ah, ok, si ça met ping. Allez. Faut sauter? Comment on saute? Les gars, on appuie sur quelle touche pour sauter? Oh, ok, je saute. OMG. OMG, mais c'est trop bien comme jeu. Mais OMG les gars, je kiffe le gameplay, c'est super immersif. Attendez, j'ai le casque à l'envers ou... Non, non. Premier frag, ce que je veux. Ça c'est un bon stuff ça. Faudrait que tu m'ajoutes pour t'as changé de compte. Il est par terre. Je recharge.
Ok, où est-ce qu'il est son friendo là? Ok, let's go. Bah faudrait que tu m'ajoutes, mais je t'ai pas. Ok. Bon, je vais remonter en haut. À toi, Echo. Je me trouve un meilleur angle. Je marque notre environnement. Bon. Bon. Oh, on est à côté de la zone. On a le temps de loot un petit peu. Surtout que bon, en vrai mes armes c'est pas trop ça quoi. Et j'en vois 1. Des matériaux par ici. Des monts de crâne ici. Tu joues quoi habituellement? Je joue ça mais... Non, en vrai parfois je prends une R301 ou... Enfin ça dépend, là j'ai mes armes mais c'est juste que... C'est juste que là j'ai un combo sniper fusil à pompe quoi. Généralement je joue... Ouais. Soit je joue fusil à pompe fusil d'assaut, soit je joue fusil d'assaut... Bah attends, je vais jouer à la M-Lock. Quoi? Pourquoi j'ai vu un viseur? Ok, j'ai pas compris. Yep. Oh, let's go. Tu joues quoi toi? Ok. Légère, lourde, ça marche. On peut commencer à aller vers la zone. Quand je dis commencer, c'est vraiment commencer quoi. Et... On est pas aux pièces quoi. Ok. Oh merde, mais j'ai fait une connerie. Les gars, ce week-end, il risque d'y avoir une petite modif dans le planning. Parce que j'ai une collab. Je viens d'y penser. Il y a une petite coquille dans le planning du coup. Hello Galeris, comment tu vas? My bad. Peut-être que ça va impacter les gens qui voulaient voir du Overwatch d'ailleurs, je suis pas sûr. Ça roule et toi? Ça va. Écoute, pour l'instant, pas d'ennemis à l'horizon. Première game d'Apex, tranquille. Ça va finir sur un top 1, évidemment. Genre, que pourrait-il arriver, quoi? Que pourrait-il arriver? Allons-y. En vrai, il y a... Derrière nous, là? Attends, il est où? Ah, je sais pas où il est. Ouais, c'est pas grave. Méfiez-vous du nouveau leader de frag. Ah, je serais bien allé au... A mon avis, il y a des mecs qui vont arriver dans notre bac là. Ils viennent se réa. Faut les attendre. Comme. Champion éliminé. Le champion est mort. Bon. Je suppose qu'il était doué pour le finir. Manche 2. Début du compte à rebours. On est tous dans l'anneau. C'est bon signe. Ok. Ok, corbeau blanc, let's go.
Yo Nico, c'est la première. J'aurais bien aimé avoir ça quand j'étais petite. Ah, oh, ils sont trop loin. Même ma lunette pouvait pas scanner la distance. Mais à mon avis, c'est eux qui viennent de respawn. Pourquoi pas une agression? Bah allons-y, vas-y, vas-y, vas-y. Putain, le problème c'est que je peux pas viser avec les lunettes. Ok, ils ont pris les... Ils ont pris ça. Et on fait des game viewers, Nico, donc si tu veux venir aussi, il faudra sûrement faire tourner les gens, mais ça c'est pas un très très gros problème. Ok, on va backstab. Je marque notre environnement. J'ai 50 sur 1. 50 sur un autre. 100 sur 1. J'ai fracassé le bouclier de la proie. Je prends la tiron. Il y en a un clac, les deux craquent. Oh, j'ai troll. J'ai pris la grenade aussi. Nice, t'en as mis un down. T'en as un qui shield. Peut-être shield toi. Je te cover avec mon shield. Ah. Fuck. J'ai pris sa gros. Attends, c'est quoi qui m'a tué lui? Ah non, ouais, j'ai pris deux balles de Peacekeeper, je suis mort. Attends, pardon. Ah ouais. J'avais mis. Ouais, 100 sur les deux en fait. 120 sur les deux. Fuck. Par contre, le Peacekeeper m'a détruit quoi. Finalement, peut-être que Peacekeeper c'est un bon truc. Peut-être qu'on va repartir dessus. Est-ce que j'ai tout là? Ouais, normalement moi j'ai... C'est bon. Alors vas-y. Je vais en profiter, je vais ajouter Axouz. Axouz! Il y en a combien des Axouz? Axouzio! C'est lui Axouzio, c'est Axouz 10! What the fuck? Comment tu sais que je suis VTuber? Alors, Axouz. Allons-y. Après, c'est peut-être moi qui ai pas de son. Je vois parler. Attends. Je te vois parler, là. Volume vocal entrant, bah pourtant. Pourtant.
quand vous parlez, je vois l'icône s'activer. Genre là, je vois ton icône s'activer, mais... Pourquoi je ne t'entends pas? Bon bah c'est pas grave, hein. Sinon on y va sans micro. Si tu veux, mais ça va... Bah c'est le même. Donc... audio... périphérique de sortie... Voilà. Y'a pas un paramètre où tu peux désactiver le chat vocal quelque part? J'ai pas l'impression. Ok. Ah bah si, là j'entends. C'est qui a parlé là? Qui est le coupable? Qui a dit bonjour? Vas-y Nico, je fais ça. Vous allez voir, il y en a un autre qui va reparler là. Axuzito a dit bonjour. Ok. Non, c'est bon, j'ai pas troll. Non, c'est bon, j'ai pas troll. C'est... Bon, bah, on y va comme ça, hein. Tant pis. Laisse-moi. Ah, entendu. Ok, on y va! Allons-y! C'est quoi ma touche? Moi, c'était. Ah, c'était. Ok. Comme ça? Je sais pas. Oh, bah, là, oui. Oh! Ouais, ça marche, c'est bon. J'ai entendu, ça marche, ça marche. Allons-y, Axouz. On a perdu Axouz. On a perdu Axouz. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ces niveaux de... Ouais, ouais, je regardais hier. Ok, let's go. On est parti. Oh. Oh, elle est belle! Elle est belle! Mmh. Oh! Putain, mais j'en ai sur. J'en ai sur la M-Log des skins. Du coup, on verra comment on va faire varier les. On va voir combien de games on fait. Après, il faudra faire varier les gens, donc on fera des rotations sûrement. Ok. Voici votre champion. Tout s'achève de la même façon. Soumission. Jump ici les gars. Bah jump random. Allez, let's go. Ça va aller Chicorule à côté là-bas, c'est bien. Ouais, je les sens pro là, je sens le gaming dans leur veine là. Les gars, c'est. Ça pue là, on est. Ah bah oui, ça c'est l'odeur de gamer, ça les gars. Ah. Tout de suite les insinuations. Ah. Ça fait plaisir ça. Yeah.
Bah moi je prends hein. Si personne y va, je me sers hein. Une minute, l'anneau n'est pas loin. J'ai pas vu de... C'est à moi de prendre ça, ouais. Votre attention. J'ai repéré la piste. Ah mais on est solo ? Ouvrez votre carte pour... Non, on a toute la zone pour nous, j'y crois pas. Nous y sommes presque. Nous sommes près de l'anneau. Ah ouais. Ah, oh, j'aime pas ça, ça va partir sur une game touriste. J'ai compris le message là. Moi qui allais, j'allais me calmer, j'allais dire que ça y est, j'avais quitté le domaine, j'avais quitté le métier. Ça y est, là, ça me ping. En vrai, si quelqu'un veut le jouer, allez-y. Hein. Peut-être que cette game, je sais pas si ça va partir dessus. Mais on snipe pas dans la game, du coup, je sais pas. J'en ai déjà un de toute façon. Mon troisième membre. Re Joseph. Attention, j'ai ajouté une variable. Bah c'est quoi, je vais prendre. Oh ça va être terrible ça. Ça c'est dégueulasse pour eux. Moi je pense qu'il faut qu'on aille en zone parce qu'après je pense que même s'il y a personne autour de nous, on va se prendre une pression en border. Vas-y, let's go. Méfiez-vous du nouveau leader de frag. Ok. Est-ce que je me suis limité en FPS ou pas du tout? Non. Parfait. Cette escouade restante. Mais attends, mais c'est quoi ce délire? Frérot, il... Pourquoi y'a personne? Que sa vision me soit donnée. On est 7 restants. Ça a été loot ici. Le truc c'est que là on est en train d'arriver en plein milieu de la zone. Non, je suis la mid-zone et je suis sans shield, ça pue un peu, hein, je peux vous le cacher. Ouais, c'est pas ouf. En fait, c'est surtout le shield, là, le... qui nous fait le plus gros défaut actuellement. Un baril de random derrière. Ok, ok. Il y a une optique ici, moyenne portée. Oh, devant nous, devant nous!
Il y en a un sur le côté, tout seul. Sur moi. Down 1. Il y en a un squad sur nous. Oh putain. Je fais fondre. Oh putain, il y a l'autre squad qui est arrivé quoi. Oh, imagine. Imagine, tu vois, personne n'a game. Ouais, ouais. Il y avait plusieurs. Ouais, on s'est fait back. Mais ça, c'est terrible. Ah, les bugs, ça m'avait pas manqué sur, sur le jeu. Et tout à l'heure, il y avait un nouveau follower qui arrivait. J'ai pas dit son nom parce que je suspectais qu'il y avait un truc, mais j'arrivais pas à déceler quoi. C'est bon, je viens de l'avoir. Mag là. Ça y est, j'ai compris, Mag. T'as failli m'avoir, dommage. Oh, je viens de choper un skin légendaire, il est aberrant. C'est le. Merde, fuck. C'est lequel? Je sais pas, j'ai chopé un truc. Oh, j'ai cette scout, j'ai bien la rage. Oh, terrible. Compte encore là-dedans le GC scout. Non mais lui à peine arrivé déjà parti. Ah oh, bah faut pas me refaire jouer. Les gens ils sont là, Apex Legends. Oh Apex Legends, on veut voir du Apex Legends. Les gars, je pense que vous avez pas compris que le board c'est moi qui monte les streams. Si vous voulez voir du Apex Legends mais pas avec moi, ne me proposez pas Apex Legends. Je parlais du follow as. Ok. Ça va alors. C'est bon alors. Non. On va gagner pour les Frontier Corps. Oh le chef. Si vous refaites une game, après je vous propose une petite compo à la mexicaine avec une petite Bangalore, un perso de reco et un assaut. Je vous présente votre champion. Oh mais c'est trop. Là c'est trop stratégique pour moi là. Wow. Non les gars, je vous jure c'est safe. Encore une fois, je sais pas où aller, hein, donc ça sera ici. Ouais, t'inquiète, là où tu poses ton doigt, c'est là où on va s'entrer. Nickel. Ok, on va faire comme ça. Oui, t'as raison, j'aime bien les jeux que je fais juste quand c'est pas toi. Quel bon enfoiré. Faut au moins que je chope ça. Oh wesh. Non, c'est pas vrai. Je viens vers vous, ça va me rush sûrement. Mes boucliers. Back si tu peux, back en bas. Essayez de partir si vous pouvez. Une autre team derrière, mais on est un peu en sandwich encore là.
train de s'entretuer, je crois. Je vais vers toi. Trop dur. Putain, j'ai mis combien encore? Oh, ça va être chiant ça. Oh frérot. Ah ben ça va, c'est... Ah, c'est... Pas l'inverse. Non, parce que on connaît... C'est aberrant comment je touche sur là, il va se faire porter, mais c'est lui qui fait tout. Ah bah, faut que je reprenne la main un peu là. Attends deux secondes, j'ai un truc à faire vite fait. Je peux lancer, y'a pas de soucis. Du coup, est-ce qu'on fait la strat à la mexicaine ou... Non, c'est trop compliqué. Enfin, je pense que si vas-y, veut essayer, on peut, mais... comme vous voulez, comme vous voulez. Parce qu'en vrai, elle, s'il part avec son sniper, c'est bénef. Si tu veux partir avec Bengalore ou un truc de Rocco. C'est quoi la strat à la mexicaine du coup? Moi c'est bon si je prends. Ouais, ça suffit, hein. Oh, ça va jouer. Oh, ça va jouer sale ça! Ah, je suis pas sûr que ça soit. On va voir, on va voir. Je fais le. Du dubstep un petit peu sur mon temps libre. Non, c'est pas du dubstep. Merde, putain, comment ça s'appelle? J'ai pas le mot qui vient. Ils ont une vraie odeur. Une bonne escouade, c'est du bon temps. Et surtout de bonne victoire. Je te parle pas, Damien. Mais pas sur ce jeu. Oh là là, même pour mourir. Allez. Allez, sautez un peu à ma place, j'en peux plus, je sais pas où aller. Allez, Axouz. Activez-vous, on y va. Tu dis ça, moi je saute, hein, rien à faire. J'ai monté aussi. Ok. Oh là là. Oh là là, ça doit être sale ça! Je parle pas de la danse. Oh, elle était. Ah ouais! Ah, des blagues d'un niveau ce soir! J'espère que vous aimez le niveau d'humour de ce stream, tout le monde. Un sniper, sur moi, il y a ça, ça. Je prendrai s'il y a un pas un longbow. Merde, comment il s'appelle? Un sentinelle. Je suis un peu exigeant sur mes snipers. J'ai un sentinelle, moi, sur moi. T'en trouver un. Passe, hein. Non, mais je vais en trouver un si tu veux le jouer. Souci. Moi, j'en ai un de poche, donc. Y'a quelqu'un qui prend la tyrolienne? La cible est par là. On devrait pouvoir la battre de loin. L'anneau se referme. Y'en a un qui est là, sur le bâtiment. Y'en a un sur le bâtiment. Sa vision me soit donnée. Oh merde, prochain, pardon. Cible marquée et condamnée. J'ouvre le feu sur la croix. Ah, j'ai pas d'user, c'est un peu embêtant.
Oh, il est parti à mon avis. J'ai pas géré. Dis ta thèse de nouveau fusil à charge. J'en ai pas encore vu de fusil à charge dans mes games. Mais si jamais... Peut-être pas cette game, parce que cette game, je pense que je vais jouer... Un down. Ok. On se back. Quoi? Wesh! C'est de ma faute. Tu veux pas le réen en vif? Vas-y. Elle est solo, je pense. Hein. Elle est tout seul, je crois. J'ai besoin d'un meilleur angle de tir. Grenade frag lancée. Mais oh, mais quoi? Mais attends, mais pardon? Elle fait une 1v3. Il a fait une saucée, hein. Le frérot, il a fait une 1v3 quoi. Allez. Allez. Mais putain. Voilà. Wesh, la sauce qu'on a pris. Ah, c'est pour ça que je jouais plus Apex. Maxus, prends-le si tu veux. Je swap sur ton shield. Un pack de... ça me servira. Bon. On suit la tyrolienne peut-être. Mon angle est nul, je me déplace. Je pense qu'on peut prendre la hauteur là-bas. Ok. Il nécessite plus de skill. Ah ouais? Testera ça. Par contre, je me fais vraiment allumer quoi. Enfin, c'est terrible. Oh, comment elle est loin la zone, les gars. Ah bah autant commencer à y aller maintenant. Hein. Ouais. Pendant mon peur, je suis solo, je vais les attendre là. Nouveau leader de frag désigné. Nouveau leader de frag, on fait gaffe. J'ai pris le temps de dégager. On s'est fait fondre. Ah ouais. Terrible.
Les lunettes, elles me trollent un peu. Genre, en fait, je sais pas comment ils jouent les gens. J'ai pas l'impression qu'ils visent. J'ai l'impression que c'est juste du run and gun, quoi. Bah, ça dépend de tes armes. Si tu rush avec une flatline, ça peut marcher. Après, si tu rush... Ah. Coupé en plein d'explications. Ok. Du coup, ce qu'il fallait retenir, c'est qu'il faut pas rush avec un P20, quoi. Oui, ça paraît logique. Oh, tu sais. Bon, je te regarde, chef. Hein. Vu mon skill, ça change pas grand chose, t'inquiète. Mais si, vas-y, dis pas ça. Je pense que je vais jouer double alternator en vrai. Ou double R99 en vrai. Je vous présente votre champion. Accrochez-vous à vos slips. Tonton Fuse est dans la place. Ah, tant mieux, ce qui est tant mieux. Marre d'attendre. Allez, on descend. J'ai fait 3 kills avec un P20 sur le même squad, terrible. Et puis ou t'avais juste des bonnes perks dessus. Moi, je sais qu'à un moment avec le tir perçant là, c'était terrible. Le P20 là, il faisait trop mal. Fait toujours super mal, mais c'est juste que... J'ai des balles légères là, si. Quelqu'un. Oh. Ça va, Xouz ? On est déjà à l'intérieur du prochain anneau. Faut qu'on trouve un. Je lance une étoile à arc. Il tire dessus. Les boucliers rechargent. Un down! J'ai tué une proie. Deux down! J'ai chassé une autre de mes proies. Va chercher! L'angle est meilleur du côté d'écho. Let's go! Beau travail, l'escouade ennemie est. Ah, la Star est trop forte, hein. Mais la SR tout à l'heure, c'est ce qui a failli nous niquer, hein. Ce qui a failli nous 3v1, quoi. Un nouveau leader de frag. On est déjà à l'intérieur du prochain anneau. Et si... Oh, franchement, ça va être terrible, ça. Ok. Encore plus terrible. Le danger. Récupérons ce pack de soutien. Il reste la moitié des escouades. On se relâche pas. Ok, parfait. Oh, ça fight vite en vrai. Venez, on va loot par là. Ça a pas été loot. Je vais par là. Suivez-moi si ça vous dit. Je vais vous choper une R300, c'est dans les rotas, donc ça peut être intéressant. Ok. Chargeur de précision agrandi par ici.
Niveau 3. Le matos le plus important des terres sauvages. Oh. Vous avez trouvé les matériaux. J'analyse la... Par contre, j'ai vraiment un... Après, j'ai un sac à dos vert. Enfin, gris, quoi. Ouais, j'ai pas envie de le prendre maintenant. J'ai du bon stuff, quoi. Il y a quoi dans la rota à part la R300? Je pense que je vais rester sur ma R99, mais... J'ai oublié comment elle s'appelle, l'arme énergie de la nouvelle AR. Tenez, joyeux anniversaire. Hop, attends, voyons. Par contre, j'ai pas de kit de soins. Faut que je fasse attention. Oh bah tiens, parlant de ça. Parlons du loup. Voyons. Oh putain. Création en cours. Une seconde. Création en cours. Un instant. Attendez deux secondes, faut que j'AFK. Je me mets juste à l'abri. J'en ai pour deux secondes. C'est bon. J'avais plus de batterie sur mon deuxième PC qui me sert d'écran de stream. Autant vous dire que ça aurait été un petit peu compliqué. Bon. Je serais plus chaud de prendre la hauteur hein, si... Non. Moi je... Voilà, on a l'air de pouvoir monter. Sait-on jamais. Bon après on est peut-être seul mais... Je préfère avoir la hauteur... Que ne pas l'avoir. Hein. Ok, let's go. Le prochain anneau n'est pas à côté. Pas à côté, hein. C'est quoi ce truc? Il y a une optique ici. Cours portée. Oh. Réplicateur en visuel. Derrière là. On peut y aller, on va rien. Oh, ah. Ok. Il y a des pas de 1 minute à peu près. 1 minute là. Attendez, on monte là. Il vient de finir, non? Devant nous, devant nous, devant nous! L'anneau n'est pas... Je suis des tirs. C'est quoi cette ult? On a perdu quelqu'un. Ma cactus si tu peux, deux secondes. J'ai quelqu'un sur ma gueule.
Ils sont encore back là, non? Avec cette marque. J'ouvre le feu. Oh putain. Je recharge mes boucliers. Je sais pas par où aller, hein. Oh, allez. Prenez la tyrolienne et taillez-vous. Ah, bon, ça passe pas. Oh. Je vais mourir. Ah, je meurs. C'est pas grave. Je sais pas si t'as des... Mais va en zone si tu peux. Je suis mort moi. C'est génial, le drone file pas. Oh, c'est ghetto les gars. On a pas vu que j'avais le bouclier thermique. Ok. T'as une tour ou pas? J'ai pas le bouclier thermique. Ah si, j'en ai encore un. C'est bon, on l'a là. Faites ce que vous pouvez. Allez. Oh non. Oh ouais putain, il y a la zone qui arrive. Oh je peux pas là, ça va être compliqué là. Pas comme ça, Zididid. Oh non. Non. Je sais pas si ça passe en... Non, ça passe pas. Jamais ça passe. Ok. Les gars, je vais vous faire honneur. Ça fout la rage. Vous savez quoi, je vais tenter d'aller au car package et je vais tenter de choper un... Pitié, je fais le pari qu'il y a un crabeur et je le garde pour moi. Et juste, je campe dans un coin comme une pute. C'est dommage, en plus t'as pas sa carte, mais sinon t'aurais pu rire. Enfin, on aurait pu...
En fait, je sais même pas si je prends le risque de Drea. Parce que ils risquent de tous me tomber sur la gueule en fait. Moi, je t'avoue que ça me libère. Je sais pas, parce que d'un côté, ça te permet que si je suis knock, la partie est pas finie. Enfin, si t'es knock, genre ça veut dire que la partie est pas finie, mais il reste que moi avec un shield blanc et rien du tout quoi. Ouais. Mais d'un autre côté, je suis d'accord que. Non, mais après, il reste déjà 3. En plus, il reste déjà 3 escouades, donc en vrai. Est-ce que ça vaut la peine? Je sais pas. On va craft sinon, mais craft quoi? La bannière? Oui. 10 secondes pour atteindre l'anneau écho. Ouais, mais alors attends, est-ce que j'ai pas de craft ici? Ouais, j'ai pas de craft. C'est vrai que si t'avais un craft, tu pourrais faire une double rare. Ouais. Mais y'en a pas à proximité, malheureusement. Oh putain, ça réa là-bas? Oh! L'occasion que j'attends. Quelqu'un devant moi? On va attendre que les deux squads se fight. Oh, j'ai un bug parfait. Trois shields rouges. Ok. À la chasse, mon grand. Rejoins Echo pour avoir un meilleur angle. J'ai marqué une proie. J'ai utilisé le bouclier d'une cible. Proie marquée. Reste plus qu'à la base. Ah ! Oh, dommage, bien dommage, bien joué. Bon oeil. Elle a mis combien sur elle? J'ai rien mis sur elle. On se fait carré, on se fait carré. Dommage, dommage, dommage. Il y avait une idée. En fait, ils ont pas assez engagé le fight. Je pensais que quand j'ai vu à mort, je me suis dit vas-y, mais. Viens Réa au pire le temps qu'il se fight, mais. Ouais, en vrai j'aurais pu. Hein. J'aurais pu. On va à Olympus. Vous laissez pas distraire par... Ah, changement de map, let's go. On passe sur Olympus. On y va tout le monde. Merde, my bad. Hop. Ouais, toujours le même, hein. Oh. Désolé. Des accusations, quoi. Bon, par contre, demain... Oh, il est killer, 22h30, ça va. Y'a qui veut jouer d'ailleurs aussi ce soir? Qu'on n'oublie pas de faire tourner quand même. Ah bah trop bien, ton live cut par une pub. Ah! C'est l'heure de la pub, les gens? Moi j'ai toujours son live, mais j'ai mute parce que sinon ça me gêne trop. Sur les tout premiers games, j'avais encore son live parce que j'ai trop. Ah, mais je comprends, je dérange, y'a pas de soucis. Oui. Clairement. Je me souviens, genre, il y avait une strat que je connaissais pas, pour pas être leader de saut, c'est juste pas sélectionner de perso. Et par défaut, ça ne met pas leader de saut. Et je me souviens que Ludo s'était fait troll par moi et Esli. Alors moi, c'était pas fait exprès. Esli s'était fait exprès. C'était assez drôle. Je vous présente
Et Ludo se retrouvait toujours lead de saut, il comprenait pas pourquoi. Oh, ça connaît pas l'eau ici. Hein. C'est sale. Elles sont très très sales. Allez, on descend. Axouz, il a pas de temps à perdre. Il y va ! Il y va, Axouz ! On va front ! Au combat ! Ça, c'est ça qu'on veut. Il va falloir que je me calme. Pour Nogi. Oh. Ok. Le faiseur d'orage me prête la vision. Ok, je vais montrer. Mozambique, hein, pas ouf. Ça, ça par contre, ça, c'est un peu mieux. Première victime. Hmm. J'ai envie d'essayer ça. Des gens vers quoi, là. Je suis des tirs. Condamné. J'ai brisé le bouclier de... J'analyse la zone. Grenade. J'essuie des tirs. Non, mais c'est bon, c'est pas encore. Je vais faire un peu ensemble. En place. Qui est celle qui a marqué la fois? Down 1. Down 2. Oh, derrière. Oh, fais chier. Oh, on n'y peut rien, mais. Peacekeeper là. Dommage. Dommage, dommage. Ça rend fou, ça. Les combats à deux doigts d'être gagnés, mais non. Mais non, ils sont pas gagnés, c'est pas suffisant. Et c'est dommage. Il manque juste 600 pour avoir mon bébé revenante, mais je peux pas. Oh, oh sa mère, les gars. Je viens de mettre 3 fois plus de grenadine qu'il n'en faut. Oh, c'est... Ah, c'est très grenadine, hein. J'ai pas regardé d'ailleurs s'il y avait une nouveau skin sur Vantage, j'en regarderai. Je vais essayer d'innover un peu. Allez, allons-y. Voici votre champion. Tu parles de tuer, je fais que vous débranchez. Allons-y. Je me sens un peu plus vivant quand je vais au-devant de la mort. Dans l'arène là ?
Oh mais quoi? Derrière vous, il y en a deux qui sont low. Derrière là, elle. Ok, t'en as un là qui shield. Il s'est shield, il a triché. Il a triché. Bouh, le tricheur. Nickel, le tricheur. Joli boulot, Plymouth. Ça c'est du Plymouth qu'on aime. Ça c'est du guerrier qu'on aime voir là. Y'a un crypto qui nous... qui nous scanne, non? Peut-être mon drone, le crypto. Ah oui. Mis, au hasard, donc je sais pas. Ah, ça doit être le tien. Je me soigne. Je m'administre les soins médicaux. Le champion est mort. J'imagine qu'il était doué pour autre chose. Il y a des gens là. Je pense. Je m'administre les soins médicaux. On est déjà dans le prochain anneau. Les vieux peuvent se reposer. Ouais, j'ai vu, T'as ton drone? Ils font le tour, j'ai l'impression. Attention derrière toi. Quoi? Y'en a un devant, moi! Quoi? Pourquoi je prends des dégâts après? Backer, backer si vous pouvez! Forcez-les à push! De notre partenaire. J'ai la bannière truc muche de notre partenaire. Oh, c'est bien vu ça. Qu'est-ce que t'allais te cacher? J'ai fracassé le bouclier de la croix. Wesh! Mais
Y'a un shield là, y'a un shield ici. Y'a un bouclier évolutif ici, niveau 3. Mon dieu. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Il y avait des shields hein, vers là, là, là où j'ai... Enfin, il y avait des caisses. J'ai pas tout loot. Okay. Ouais, on a loot, je crois. Enfin, moi, perso, j'ai loot. Je sais pas pour le collègue, mais... Oh, maman. Putain, il y a de quoi faire, hein. De frag. L'ancien est mort ou a déserté. Culasse pour fusil à pompe par ici. Niveau 4-2. Début du compte à rebours de l'anneau. Le prochain anneau est éloigné. Ok. Je me demande si on va pas nous attendre avec des affectés à 10 mètres. Ouais, c'est pas impossible. Si vous voulez, je peux vous lancer un drone en vif. L'œil qui voit tout. Je me connecte à mon œil céleste. Je vous dirai ce que je vois. On va prendre la hauteur ici, hein. Attention. Ou quoi que, déployons-nous par là. Go la prendre ici peut-être. Go prendre la hauteur ici peut-être. C'est bon. Après tu me diras, je sais pas, je suis pas confiant d'aller là-haut. L'anneau est proche. Encore 60 bah, secondes. En plus, et attends, mais... Après qu'on aura gagné les fights, enfin si on gagne les fights, en vrai on peut... Non, mais je crois qu'il y a quelqu'un en plus, non? Ah non. Ah mais je veux dire, en haut on peut y aller par là, mais par là, là, on est pris en... C'est serré là quoi. Qu'est-ce qu'on attend? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ce serait plus prudent qu'on passe par là. Il ne reste que 30 secondes. L'anneau se déplace. Je rappelle mon drone. J'entends du bruit sur la droite. Je pense qu'il faudrait qu'on se mette à un endroit. Pas trop border zone, mais un peu quand même. Devant moi. Deux touchés. Un down. Non mais c'est trop le Gibraltar, mais sérieux ! Je sais comment m'amuser, moi. Oh, j'ai rien pu faire. Hein. Ils sont tous autour de sa bannière, je pense qu'on peut aller les chercher. Ils sont là, dans un double Murata. Je l'ai eu. J'ai eu. Ok, c'est fait. Elle est pas ici hein, pour moi. Hein. Ah, il veut les fight. Ok. Voyons. Touché 10. Vous avez un gars à votre gauche qui est solo, je pense. Réplicateur bientôt disponible. Je sais pas où il est.
Les trois ils sont en tout fuir. Je me demande s'ils sont pas passés vite. T'as un truc pour Réa ou pas? En vrai! Viens, Roda. Ouais. Je peux pas ping quand je suis mort? Si je peux aller rechercher mon stuff, ça serait go-ted, mais oh là là. Attendez avant d'ult. Attendez avant Drea. Attendez qu'ils se fight peut-être ceux qui viennent de monter là. Je me dis si viennent de monter, peut-être ils voudront pas faire demi-tour parce qu'ils ont une bonne position, tu vois. Vas-y, là c'est sécurisé. Ok, je vais essayer de retourner à mon stuff. Si on peut. L'intérêt est un peu rapide, mais ouais. Tu pourrais spawn avec du stuff déjà. Normalement, je spawn avec du stuff, mais j'avoue que c'est pas. On n'a pas le choix, faut monter en haut. Ouais. Je crois que c'est en bas. Hein. Ouais, c'est en bas. Ça regarde mal. Ah putain, elle a mis une salle. C'est juste en bas là? Ouais, viens, attends, on t'attend et on y va, on la rush. J'arrive là. On saute, vous êtes prêts? 3, 2, 1, go. Oh, c'est moi qui ai tout pris. L'anneau est proche. 30 secondes pour refaire ses lacets. Je veux bien. Je dois rapide. Allez, faut qu'on reprenne la hauteur. Ouais, faut qu'on reprenne la hauteur, je suis bien d'accord. Et puis, il faut qu'on soit super vigilant parce que les deux escouades, elles sont au niveau des doubles portails. Ouais, et peut-être aussi par là. Ici, là, y a un bouclier rouge. Je prends le Kraber. Bon, allez, moi je propose qu'on ait les autres pour prendre une. Enfin, ouais, mais je pense qu'ils ont peut-être déjà une position avantageuse à ce top-là. Je suis pas sûr. Oh, c'est chaud. On n'est pas bien ici, les gars. On essaie déjà de prendre notre hauteur, comme ça on a une vue sur les deux côtés. Eux ils se repositionnent. Plus qu'une minute et l'anneau est à notre portée. Même quand on a des petites. Je suis passé derrière là. Ok. Ah, vous êtes pas avec moi. Okay. Bah on arrive. J'ai un ult. On peut peut-être prendre la hauteur là. Ouais, t'as raison. Vas-y. Bon plan. On est. Très dégagé, mais c'est pas grave. C'est bien. Je rappelle mon drone. On en a un par là.
140 sur 1. 119 sur un autre. Se dirige vers nous. 161 mort. Je recharge mes boucliers. On a la zone. 3 balles au crabeur, je les garde. Hein. Ok, ça y est, on a le cas qui touche la zone. Ils veulent pas. Qui est en train de se vider peut-être. Ah, fais chier. Oh non, dommage. Bien joué, bien joué. Non, c'était compliqué, c'était compliqué. Parce qu'on a eu l'aggro, le mec qui était seul, c'est un peu dur. En vrai, je pense que vous aurez dû rester en haut. Parce que du coup, ils seraient venus sur moi et vous auriez pu les avoir en hauteur. Je pense que j'aurais dû vous call que je pouvais le solo l'autre. Peut-être, ouais, ouais. Ouais, ouais, peut-être, on sait pas, c'est pas. Oh là là, bonne petite game là. Miam miam. Nico, Joseph, vous êtes toujours là ou pas? En vrai, jolie game quand même, dans son ensemble. Ouais, je pense. Non, mais c'est pour savoir. Mais je pense qu'on en fait une. On en fait une dernière et la prochaine on rota. On verra pour les gens qui veulent rota. Mais là, belle petite game là. Non, elle était belle, elle était belle. Comme ça, ça vous laisse de temps, Joseph, Nico, si vous êtes toujours là. Bon, lui, décidément, il est pas très efficace. Hein. Ton ult ? Enfin, en fait, ton ult, il nécessite d'être trop synchro, c'est la giga sauce pour lui. Hein. Bah ouais, et puis même, je veux dire, j'ai un perso de Roco, il a juste appuyé sur un bouton, il voit toute la map, alors que là, faut que je prenne mon drone et tout, enfin, c'est chiant. Et Noise, je ne pourrais pas venir, j'ai oublié d'installer le jeu. Quoi ? C'est vrai, Joseph ? Le modo qui choque. La seule différence entre un prédateur et une proie, c'est la rapidité d'exécution. Si ça continue, ça va rester avec Zlobby, hein. C'est chaud pour toi. J'ai envie de te dire. Activez-vous, on y va. D'ailleurs, je vais juste changer le titre du stream. Ouais, je ferai un peu plus original là, la fin de la game. Par contre, pardon, mais Hellstar, c'est quoi ce poulet en fait? Le Hellstar est beaucoup trop fort pour ce jeu. Hellstar, c'est vrai que c'est pété, mais... Ouais, c'est quoi? Après, je préfère jouer le... L'alternator. Premier frag.
Maintenant, ils savent qu'ils sont la proie. L'anneau est proche, une minute avant fermeture. Let's go, j'ai le violet sur le robot. 45 secondes avant la fermeture de l'anneau. S'il vous élimine, c'est la sélection naturelle. Moi j'ai déjà un casque violet. J'ai déjà le casque, donc si quelqu'un le veut. Ah, peut-être pour le collègue alors. 30 secondes restantes. J'ai pas de quoi le prendre. J'ai pas de place dans mon inventaire là actuellement. On était prêt. Tant mieux. L'anneau se ferme dans 10 secondes, il est juste là. Mène à l'ennemi, suivons-le. Vous voulez y aller? Moi je suis chaud. Hein. Allez. Ça veut du sang ici. Comme j'en ai pour 20h30 d'installation, ça me laisse compliqué. Oh, que sur un malentendu. Prends la balise vitesse. Devant moi, devant moi. Essaie d'aller te cacher avec cette marque. J'ai brisé le bouclier. Il est marqué. J'ai identifié la position de défense. Ouvrez votre carrière. Je lance une grenade thermique. Remarqué. Reste plus qu'à l'abattre. Je suis aveugle, ma parole. On est au bac. J'ai shooté dans mon... Ouais non mais laisse tomber, il est arrivé comme un animal là. J'ai shooté dans ma grenadine. Mais j'ai même pas eu... C'est quoi son ult à la... à l'autre? Même moi il était planqué, je me suis fait éteindre. Ult de qui t'as dit? Ult de la... du nouveau perso. En gros son ult c'est... Merde putain. Plus je l'ai vu mais je m'en souviens plus. On verra, attends je livre. Hop, bon bah c'est reparti, on va relancer. Je sais pas, il a l'air de leur donner du heal en continu, je sais pas, c'est bizarre. Ah non, ok, en gros si tu veux, son passif, enfin son A c'est... elle donne du shield à ses alliés, et son ulti c'est elle envoie des sortes de boulettes qui enlèvent le shield au méchant quoi. Ok. Avantage, elle a pas eu de nouveaux skins. Hein. Toujours aussi éclaté avec ses skins sur Vantage. Oh mon salaud, tu l'as tapé le jeu un peu. Hein. Surtout Vantage. Ah putain. Ah, c'est un perso qui me plaît beaucoup, c'est très sniper. C'est très mon gameplay. Ah, faudrait que je la teste aussi. Hein. Oh! Par contre, vraiment, la tête que fait le nouveau perso sur le truc, on dirait un mème, quoi. J'avoue, il y a un air quand même. C'est que cette grenade. Je vous présente votre champion. Prouvez votre force devant les dieux. C'est moi, wesh. Allez, on y go! C'est parti! Vous voulez aller où là? Vous avez de l'inspi ou on lance les dés encore? De quoi? Saute! On s'en fout, saute! Oh, dans la PlayStation! Ah, okay. Merde! Vas-y, go! Sûrement pas. Plus par là, du coup. Ouais. Y'a pas eu qu'il y avait. Oh. Oh le j'ai gagné. Oh vas-y frérot.
Non, on se fait back, genre. J'avais un fusil à charge, j'en peux plus. J'avais pas d'arme. Non, moi j'avais pas du tout d'arme, j'ai plus. Ouais. Mauvais start. Ah, mauvais start. Ça arrive, ça arrive. On dit qu'on ne va plus là-bas. Ok, on y retourne. Pas là-bas. Quand même, 1h30 de téléchargement, c'est quel genre de connexion ça? C'est la connexion Joseph, c'est comme ça qu'on l'appelle. Elle porte son nom. Moi déjà je me plaignais de mon débit. C'est un débit. Il y a un autre nom aussi, parce que... voilà, ça a quelques petits noms ce truc. Ça s'appelle aussi le débit de la diagonale du vide. Pas très très apprécié. Il est dans le. Ok. Il est dans la diagonale où il n'y a rien. C'est ça mon élément. Il vit au milieu de moutons. Sa famille proche est composée de moutons et de vaches. Il est dans le trio des derniers. Voici votre champion. J'ai entendu mon nom, j'ai dit quoi encore toi? J'ai dit que tu es entouré de rien du tout. Alors tu es entouré de vide. Tu as la connexion de la diagonale du vide. Il est dans le No Man's Land. Axus, t'es avec nous? Ok, let's go. Non, je sais pas là, je suis mort. Ah, je suis parti pisser. On a loot là-bas parce que c'est vrai que c'était y a pas bizarre. On est déjà dans le prochain. Allez. Les vieux peuvent se reposer. Premier frag. Maintenant, ils savent qu'ils sont la proie. À toi, Echo. Echo, tu vas super angle de tir. J'y vais. Putain, c'est bizarre là. Pourquoi ça lagouille? J'aime bien comment tu ne cherches pas à nier les faits, Joseph. J'ai des matériaux. Déploiement du barrière. Ouais, il a quoi le nouveau fusil? Je comprends pas trop comment il a. Le nouveau fusil, il a plus le laser avant quoi. Ah! Je pourrais nier, mais ce serait mentir. Je te remercie pour ton honnêteté, Joseph. Ok, on a tout ce qu'il nous faut. C'est pas vrai, on a rien du tout. J'ai juste dit ça histoire d'animer le stream. C'est vrai que c'est assez ghetto là. Oh
Ok. Pack de soutien en cours de livraison. Pack de soutien en approche. J'adore ça. C'était loot au fond là. Une petite squad qui va passer dans le coin. Converti avec ton All-Star, là, je vais essayer. J'entends du step. À la chasse, là, je suis en train de se la rater là-bas. Je me trouve un meilleur. Essaye d'aller te cacher avec cette marque. J'ouvre le feu. Je vais attaquer le bouclier de la proie. Grenade thermique lancée. Mais wesh, mais... Oh vas-y, c'est trop. Oh, il y en a encore un. Je crois que c'est encore une autre squad. À moins que ça soit le last. Non, mais what the fuck. Non, mais c'est trop. Oh putain, le backstab. Putain, j'ai grave le. Mais après, on avait aucun. Le mec, là, avec mon grappin sur Fire. Oh, fait chier. Dommage. C'est... Je sais pas, le début de game est compliqué là. On a zéro shield, on a un shield blanc. Genre trop... Bon, on va... C'est surtout le shield qui fait défaut. Parce que là, clairement, j'ai mes 100, la meuf elle... C'est complexe, hein, le début là. Elle met zéro dégâts, mais... Mais ça passe quand même. Ça passe quand même parce qu'on a pas de shield là. Fuck. Oh, y'a pas grand chose dans le pass, hein. C'est quoi ça? Franchement, honnêtement, je sais pas. Genre, je trouve les skins des persos sur Apex immondes. Pour la plupart. Y'en a quelques-uns qui sont vraiment beaux, mais les autres, ils sont vraiment immondes. En fait, y'a pas de juste milieu. C'est vraiment juste des ricolores avec... Mais tu sais pas pourquoi ils te mettent des yeux jaunes, t'es en mode... On l'est, effectivement. On est d'accord. C'est laquelle que t'as dans la tête, Kasha, du coup? Je vous présente votre champion. Ok, let's go. Oh putain, il y a une tempête chez moi, j'ai ouvert la fenêtre, elle s'est refermée toute seule. Paranoïa de Earthsteel. Ah, toi ça y est, t'es à fond sur l'œil là. Oh mais c'est une blague. Il y a un coin à pas prendre, c'est moi qui le prends. Attends, attention, on n'avance pas dans le même sens. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est encore une singerie ce spawn. Le sang a été versé. Notre expérience commence. Coucou Zaya. Zaya, elle a entendu dire style, elle a fait. Ah, oh, c'est bon moment. C'est maintenant. Je sors de l'ombre.
un grand chargeur de précision ici. Niveau 3. L'anneau est distant. 45 secondes avant. Ok. Ah mais on peut pas la... Comment ça s'ouvre ce truc? Il y a un nouveau leader de Frag. L'ancien est mort ou a déserté. Ouais, mais là, je pense qu'on va hors zone. On va s'infliger un handicap là. Et on n'est pas obligé de le prendre ce fight là, je pense. Non, ok. Ne le prenons pas. Hop. Calme effectivement, et d'ailleurs je pense que quand j'aurai un PC, je jouerai à l'eau, je vais pas résister pour les skins de Ezreal. Ça, il est déjà tombé dedans avant l'heure. L'échantillon a été réduit de 50%. J'essaie d'aller te cacher avec cette marque. La proie est touchée. Putain, j'en ai touché aucun quoi. Oh. Tout mis dans l'arbre. Je sais pas comment elle marche au perso. Elle a munitions infinies sur son sniper, c'est quoi? Non, non, elle a 5. En fait, elle a 5 balles et tous les 20%, si tu veux l'équivalent de 20% d'ult, t'as une balle qui est chargée quoi. Donc tu peux monter jusqu'à 5 balles masque max stack. Bon, ouais, c'est pas mal hein. Trouver une R99, je suis votre homme. J'entends de l'activité ennemie par là. Il cherche du butin. Comment elle est montée? Mais comment il est monté? Mais jure! Oh vas-y, c'est trop. Ah, c'est trop dur. On s'est fait submerger. Elle m'a tout mis, j'ai rien, je l'ai raté. Je l'ai raté. Ah, c'est pas bon. Apex le soir pour Nougui. C'est... Ça crie. Il n'y a plus que 600 et je suis un homme heureux. Du coup, je pense que mes mains seront Ezreal et Kane. C'est-à-dire tu reproduis le même schéma que moi avec Harry. On n'a pas le droit de...
je ne tolérerai, Kasha, aucune critique de ta part à l'égard de mon Picari. J'ai pris la photo de profil Ezri là. Oh, let's go. Je vous présente votre champion. Ce n'est pas drôle de perdre. Alors en général, j'évite. Oh ouais. Allez, let's go. Je peux pas partir des fétiches les gars, mais... On voit la top 1. En plus, c'est les champions, ils sont avec nous. Oh putain, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide ici. Allez, l'eau. Que je peux où il est, le dernier. Faut peut-être aller les chercher là. Ça reste. Allez. Oh le bon col. Ouh. Cette destruction ce qu'on leur a mis. Il y a des gens dans l'arène apparemment. Ok. Je vais aller voir. Une autre variable pour mes cobayes. Ah ouais, y'a un mec. Il le sort rapide. Regardez un peu les amants, mais il est où l'autre? Mais putain, mais prends-moi. Mais oh, j'en peux plus. Il voulait pas prendre mon arme en main, quoi. C'est un truc fou. Ah, j'ai spam. Oh, le truc de dingue. Un combattant entre dans l'arène.
Là, y aura-t-il quelqu'un pour l'affronter? Oh, ça m'a fait péter un câble. Par contre, j'arrive vraiment pas à viser, hein, c'est un truc de fou. Ok. Bon. Oh. Oh là là. Lui, il est blindé, il est blindé en balle. Ouais. Lui là quoi? Putain, j'avais oublié que je pouvais mettre des tyroliennes. Ah ben, essaie de la mettre par là-bas, là. Je vais par là. Allez. Suivez-moi si ça vous dit. Préparez-vous, c'est l'heure de la tyrolienne. Let's go. On aurait pu aller en haut, mais... On va attendre une autre tyrolienne. Pas pour back si jamais c'est la merde. Ouais, t'inquiète, elle va vite de toute façon, la tyrolienne. Ouais, ou sinon juste on avance droit là, c'est pas très grave. On peut faire ça. C'est vrai, ça. Hop. Déploiement d'une variable. Et on peut avancer tout droit. Je suis chaud d'aller au pack là-bas. Devant. Elle est one. Bien joué. Oh, bien joué, je croyais qu'elle... Je crois que c'était le dernier de leur escouade. Ils ont un gros shield ou pas? Non mais après j'ai 20 cellules donc c'est bon mais... Oh, le laser que j'ai mis par contre. Dans le pack au passage. Allez, let's go. Un pack de soutien juste là. Plus que 10 secondes. Ok. De soutien en approche. On refait le plein.
Et go, allez. On passe. Faut aller là, là. Je tire au lead, hein. Pensez-y si vous voulez prendre une auto ou un truc comme ça. Garde la pour back, on sait jamais. Jamais c'est trop la sauce. Plus que deux escouades. On passe enfin aux choses sérieuses. J'ai marqué la cible. Je monte un peu. Je pose un piège à gaz. Piège posé. Prêt à être activé. Je sais pas trop. C'est d'aller te cacher avec cette marque. Une merveille de la. Je sur le côté gauche, il y en a un solo. C'est barré. Oh mais quoi mais... Oh, vas-y. Bon bah GG, je pense. C'est trop chiant, j'avais aucune chill cell, aucun gros heal. Oh bah y'a l'autre squad qui arrive par derrière. Non mais c'est abusé que j'ai pas trouvé de gros shield ou de gros heal le tout de la game. Genre vraiment pour me soigner c'était la cata quoi. Oh, ça vient pas par contre hein, le pack Apex c'est pas trop ça. C'est la bonne. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de pack Apex, ils ont changé la manière de les obtenir ou quoi? J'ai juste pas passé assez de niveau. Ils sont radins un peu. Tu parles de quel pack? Tu sais les packs tu peux drop normalement en passant des niveaux quoi. Ah ouais, bah je sais pas, c'est parce que... Ouais non je sais pas trop, je saurais pas quoi dire parce que c'est vrai que moi j'en ai eu deux là depuis que j'y ai rejoué mais sinon... Donc depuis le début du jeu, franchement les gars je dois être à... Je dois pas être loin de mon heirloom, hein. Depuis le temps. Je vous présente votre champion. T'as investi dans le jeu? Bah, je pense que j'ai... Non, t'as la pitié à 500 packs, je pense que je dois pas en être loin. Je suis niveau 574. Attends, voyons, c'est quoi le niveau? Non, pardon, je dis des conneries. 530. Puisque j'ai un prestige, j'ai fini au 30. Ah, quand même. Donc 530 plus des packs ouverts, parce que j'avais acheté des packs et tout. Enfin, franchement, je dois pas en être loin quoi. Et rien. C'est comme ça que le jeu me remercie. Je vais reprendre mon combo Alternator Heirloom là, il faisait mal. Wesh. On s'active. Il y a encore du chemin. Active le Early Steam. Nouveau leader de frag. Parfait. Plus ils se la pètent, plus ils sont faciles à repérer. Back par niveau, mais c'est de plus en plus dur de monter de niveau. C'est pas tous les deux niveaux déjà maintenant? Il y a un véhicule à côté. Là. Le loot à part le shield c'est pas ça quoi. C'est pas mal. Munitions désintégrantes, ok. Ah c'est l'inverse des perforantes en fait. Ok. Il y a un nouveau leader de frag. Prudence, un nouveau leader de frag.
Moi je suis d'avis, est-ce qu'on a loot un peu plus en sécurité dans la zone? Allez, let's go. Oh, oh, devant. Vous voulez pas aller, vous voulez faire? Je suis cher de... Comment il avait fait lui. J'ai fracassé le bouclier de la croix. Je vais mettre le bouclier avec Austin, tu te heal un peu. C'est facile à dire qu'à faire. Mes boucliers rechargent. Il est où l'autre? T'as le temps de te heal, t'as le temps de te heal. Il est loin vers la voiture. Wesh, mais quoi? Mais... Attends, mais quoi? Il m'a tout mis. Il m'a littéralement tout mis, il m'a mis les 4 balles. À la suite. Wesh. C'est quoi cette dinguerie? Moi le dernier c'était un par niveau, mais peut-être qu'à partir du niveau 500 c'est tous les deux niveaux, je sais pas. Ah peut-être. C'est incroyable comment Apex ça me rend aigri. Vous avez vu ça? Mais j'avoue que... En fait, moi c'est un jeu qui me rend aigri parce qu'il y a... En fait, pour moi, il y a beaucoup trop de... Beaucoup trop de variables inconnues, en fait, tu vois. Dans Apex. C'est pas comme dans Valo, t'es en 5v5, les règles sont fixées, t'as pas le risque qu'une troisième team te backstab. En fait, c'est le principe de Battle Royale, je pense, qui commence, moi, à me saouler un peu. Parce que du coup, enfin, si tu veux, après, t'as, dans ton positionnement, dans le fait de faire sous ça et tout, tu peux opti, mais je trouve que tu te fais chier, quoi. Genre vraiment, passer de juste, t'es obligé d'opti, tous tes déplacements, tu dois les contrôler, tu fais attention, tu dois contrôler des zones, on se fait chier. Mais d'un autre côté, si tu joues comme ça, bah tu prends le risque de te faire fur, de te faire fort, te faire fif. C'est un peu chiant. Oui. Oh. Ah, j'ai pas d'arme. Pas d'arme. Oh non. Oh, frérot, c'est quoi ta vie?
Oh putain. Les deux teams. C'est compliqué là en ce moment les spawns. Je t'ai revenante. Oh les gars, j'ai un pack. Let's go. Tout ça pour ça. Non, j'aurais préféré ne pas l'avoir. Oh, en fait. Terrible, c'est bon. Ce pack. Oh merde. Super. Le premier pack de reprise. Elle l'a de mon boîte quoi. Terrible. Elle tourne en boucle la musique ou elle est juste longue? Ah non, elle tourne pas depuis si longtemps en plus. Ah, il y a un petit reward graphique là, le revenant. J'aime pas tuer. Je sais que c'est contradictoire. Non, ils ont refait revenant. Ok. Après, je trouve que son rework il est pas ouf. Hein. Mais bon. C'est quoi son rework? Qu'est-ce qu'il a? En gros, ils ont changé. Il a plus une sorte de sphère qui balance et maintenant il a un saut en avant. Et puis, ah ouais. Son ult, il est que pour lui. Il est que pour lui? Ouais. Ah, ça c'est bien parce qu'en vrai, je le trouvais OP. Allez, on y retourne. J'ai pas peur. En fait c'est pas vraiment, lui t'es pas pareil, déjà il est plus que pour lui, je me rappelle plus sa spécificité, c'est pour ça que je vais la tester. On est solo? Genre, on est solo dans cette zone. On a une minute avant la fermeture de l'année. Il est temps de s'activer. Des matériaux par ici. C'est quoi la proba? Ça arrive. Oh là là, quel t- oh là là. Oh, je suis devenu nul à ça, c'est terrible. Ok. On a des balles quand même ici. Plus que 10 secondes, mais l'anneau est proche. Stabilisateur de canon par ici. Niveau 3. Piège à gaz déployé. C'est à l'extérieur de l'anneau que meurent les imbéciles. Allons à l'intérieur. J'ai découvert l'emplacement du prochain anneau. Ouvrez votre carte. Ok. Attendez. Tac, Valo c'est dur, hein. Y'a pas que Valo qui est dur. Hein. Sans mauvaise blague ou quoi. Hein. Je parlais vraiment de Apex actuellement. On est en train de galérer. Non, non, on est vraiment en train de galérer, c'est terrible.
le solo là. J'ai vu solo, what the fuck. C'est quoi ces bruits? Non mais... Voilà, c'est bon. Frérot, il savait pas ce qu'il voulait. Ah, je suis plus chaud d'aller en haut en fait. Sont faciles à repérer. Ok, nice. Les données ne vont pas tarder. Variable autonome ajoutée. Il y a un bout de chat ici. La proie est ici. Oh. Violet. Je descends du côté, il veut pas me voir. Non mais... On n'y va pas, n'y va pas. On part avec... Tu veux le tir en page, j'y vais pas. Hein. Je me tire en page, j'y vais pas les gars. Ouais non, faut pas. Oh, attendez, je peux tenter un truc mais non, c'est trop risqué en vrai. Vous êtes de l'autre côté ou pas? Je vais nous faire là. Ok, attendez, attendez, restez devant. Ouais, on reste, on reste. Préparez-vous à fight. On fait du version. Ils sont plus là. Ouais, dans les rues. Fuck. Peut-être dans la par là. Il y a quoi par ici? Ouais, j'ai fait. Un down. Allez, j'ai besoin d'aide là. La cible est ici. Il est solo normalement. Il y a une cible par ici. Nice. Ça fait quoi de revenir un peu sur ce jeu? Il me semble que t'aimais bien le jeu. C'est le jeu qu'on a le plus stream sur la chaîne, Apex Legends. Ouais, j'aimais bien. Bah ça me fait rager. Très clairement, ça me fait rager. Genre, je sais pourquoi j'avais arrêté le jeu. Je me rappelle et je suis en mode ah oui, c'est pour ça. C'est un jeu qui est très dur et très injuste, je trouve. Parfois, tu peux faire un fight magnifique. T'as un mec tout seul dans son coin qui va venir te finir. C'est un peu la loi du jeu. Ok, faut qu'on bouge. Go aller vers la zone. 45 secondes avant la fermeture de la zone. Si tu n'échapperas pas. Là, devant. Devant ici. Déployons-nous par là. Tu me sers quelque chose finalement. À la chasse, mon grand. Je vais changer d'angle. En place. J'ai un peu sur la croix. Essaye d'aller te cacher avec cette marque.
L'anneau se ferme dans 10 secondes. Je vais marquer la cible. Down. Un down. Les deux en bas, les deux en bas, les deux en bas, les deux en bas. On se backstab. Je tire sur les cobayes. Notre attention. Allez, file. Déploiement d'une variable. Écho à un bon angle de tir. Je le rejoins. Ils sont où? Ils sont où? Pas du tout, j'ai mis le chip qui est terminé. Je suis en train de tailler en jeu. Marquage en place. J'ouvre le feu. Je suis en train de un down. Il y en a un, je l'ai tué, il a un shield rouge. Oh putain. Je recharge mes boucliers. Venez, j'ai un shield de thermique. Après là à mon sens, c'est un punk. Je sais pas si tu peux être plus à l'abri. Désolé, j'ai pas pu. J'en ai un si tu veux après, hein, si tu veux le mettre à l'abri. Ah, faut courir. Ou alors on prend le TP. Je sais pas ce qui est mieux entre TP et... Ah, la zone, quand on joue bien, c'est. J'ai pas eu le temps! Aïe aïe aïe, j'ai pas eu le temps de mettre mon shield. On se repositionne. Dommage, dommage. C'est pas grave. Un pack de soutien juste à la porte fermée par ici. Ah, dommage. On va le faire ce temps. Dommage, dommage. J'ai quand même... Ouais, c'était pas mal. C'est juste dommage, la zone, là. En fait, on s'est fait backstab de backstab de backstab et on a pris du retard sur la zone. Il y a eu top 1 ce soir? Non, on a fait top 2 un moment. Ça faillit. En plus, c'était un joli fight. Genre vraiment, là, au crabeur, c'était incroyable ce qui s'est passé. Mais ça n'a pas suffi.
En fait, le truc, c'est qu'on s'est retrouvé dans une... On était trois en lice. On en a down un d'une team. Il y en a un qui était solo. Je suis allé chercher le solo. On a buté le solo. Et ensuite, on était... ils ont ré à l'autre. Et on était en 3v3 et on l'a perdu. On en a down un. Je vous présente votre champion. En fait, on s'est fait backstab sur le 3v3. Je pense que ça sera la dernière game. Demain, je commence à 8h, les gars. Pas de problème. Pas de problème, pas de problème. Ok. Ah ouais. Je vois, je vois. Ouais, je vois que je saute dans ce coin. Atterrissons là. Ouais, là. Allez, let's go. C'est un nouveau bâtiment là-bas. Hôpital. Allons chasser par là. Je suis plus chaud d'aller en haut. Je vais tomber un peu bas. Une cible à terre est si près que je peux la sentir. Premier frag. Maintenant. Oh sa mère. Les boucliers rechargent. Cassez le bouclier de la croix. Tour de munitions inactive. Oh mais sérieux les balles, putain. Oh c'est trop. Genre elle m'a... Elle... Ouais, elle m'a spray comme jamais. C'est quoi ce bordel? Bon bah... Ça arrêtera sur ça. Pas ouf comme dernière game, j'avoue. Je le conçois. Mais tant pis. Dommage. Dommage, dommage. Tant pis, tant pis. Tac, je m'arrête ici. De mon côté. Je vais aller dodo. Vous avez du Apex. Vous l'avez demandé, vous l'avez eu. Oh, en vrai, bon. C'est Apex, quoi. Vous avez vu que ça m'a pardonné envie. J'avoue que... Enfin, disons que bon, ça, c'était sympa, hein, je dis pas le contraire, c'était cool. Mais c'est vrai que ça me donne pas envie de retryhard le jeu, quoi. Je vais aller dodo, merci pour les games Axus, merci Plymouth, c'était super sympa. Du coup demain il n'y a pas de stream, on est jeudi. J'avais oublié. J'ai oublié que demain on est jeudi. Donc demain on est jeudi. Et est-ce que j'ai autre chose pour vous? 1-1-1, je réfléchis. Non, c'est bon, c'est tout. Donc rendez-vous vendredi, du coup. Vendredi, on a quoi vendredi? Qu'est-ce qu'on a vendredi? Vendredi, on a Chris Tales qu'on a reporté, qu'on va refaire. Chris Tales, du coup,
jeu qui est sur la chaîne depuis un long moment maintenant. Peut-être que ça sera le final. Le gros final qui va peut-être être commencé. Bonne nuit à tous, reposez-vous bien d'ici là. Je vous fais de gros bisous. Et à vendredi du coup. Bisous bisous, merci pour les games, bonne soirée à tous. Moi je vais dimanche le Overwatch.